Marcel Ambaté qui vous accueille dans la cuisine. Bien, bonsoir pour le petit live Itch.io, le live quand on sait pas quoi streamer, bien sûr. On va, alors je vais pas directement sur Itch.io en réalité, je vais par la chaîne YouTube de Beta Alpha Beta Gamer. Bonsoir Vandank, il propose des petits let's play des jeux. Je regarde pas les let's play, mais il donne aussi le lien pour les télécharger souvent sur Itch.io. Mais ce soir, on a de tout, on a aussi des jeux sur Steam. Pan Pan qui est là. Alors, on a 3 jeux sur Steam gratuits, hein. C'est même pas des démos, c'est des jeux gratuits. Et on a, si je ne me trompe guère, je vais vous dire. Et on a 4 jeux sur Itch.io, donc ça va, tout ça gratuit. Tout ce qu'on a ce soir est full free, n'est-ce pas? Essayez de pas vous gerber dessus, j'ai encore trop bouffé. Je suis insupportable de stupidité, de trop mon cher, quand je sais que ça me pose des problèmes. Et pourquoi? Le haut de la caméra, il y a ma tête qui touche là. Je peux vraiment pas le faire plus bas? Ah, c'est pas sûr en fait. C'est pas sûr parce que je crois qu'il n'y a plus de fond vert au-dessus. Allez. Ah! Oh, un petit peu plus. Ça va, on voit pas? On voit pas, c'est bon. Bonsoir, Ali. C'est la même personne. Et toujours l'imo de cactus que j'ai essayé de remplacer, mais j'ai pas trouvé quoi mettre à la place aujourd'hui, donc j'ai laissé tomber. On va garder le cactus. Ah, bah tiens, il pique tout ça. Donc moi j'ai envie de commencer. Faut manger trop. Ben c'est ça. Et après t'as mal au ventre tout le temps. Mais je suis trop con. Je suis trop con. Je sais plus doser. Et sur le moment quand j'avale comme un putain d'ogre, je sens pas que ça remplit le ventre. Et après, bah, bonsoir Cédric qui est là. On commencerait par quoi? Écoutez, aujourd'hui cet après-midi, j'ai quand même fait le ménage. J'ai pas mal rattrapé le sketch aussi. Beaucoup de sketch aujourd'hui. Très très bon sketch, et cet après-midi, bon, je fais un peu de ménage, je fais tiens, je ferai une petite game. Et puis quand même, d'ailleurs, c'est pour la blague. Hein. Et du coup, je me dis à quoi je pourrais jouer. Alors, j'ai Uncharted 2 et 3 que j'ai racheté sur PS3, sachant que le 3, je l'ai pas fait, et le 2, je voulais le refaire avant. Je pourrais jouer à ça. J'ai Death Stranding, que je pourrais me motiver à faire, tu vois, c'est quand même un jeu un peu récent, entre guillemets. Ça date de ma carrière. Et moi, j'ai fait quoi? Bah, j'ai lancé Domekeeper et j'ai joué pendant près d'une heure. Et du coup, j'ai eu le temps de rien jouer d'autre. Parce que Domekeeper, c'est la drogue. Même s'il est répétitif et que j'ai déjà fait le tour des trucs intéressants. Bah voilà, tchac, tu mines, tu optimises tes machins. J'apprends à me servir du téléporteur autrement. Et ça prend du temps, ce jeu. Et c'est la drogue. C'est la drogue avec du game design. Et j'ai appris que c'était créé par un couple. Avec quand même de l'aide pour le pixel art, mais la programmation, la création de jeu, c'est un couple avec un chat. Qui ont fait un tweet pour remercier Gotoz, le fameux Goat de French YouTuber, le French streamer. Il est bien, et bien, merci encore Elquin de me l'avoir acheté à l'époque, c'est-à-dire à Noël, tout simplement. Ça fait genre, ça fait 6 ans, et en fait non, ça fait 3 semaines. Bon, par lequel on commence? Écoutez, justement, je parlais de Death Stranding, il y a un jeu qui s'appelle Moon Runner. L'image, c'est le... T'as un cosmonaute avec le sac à dos de Death Stranding, avec des colis collés dedans, et sur les épaules et sur les cuisses. C'est littéralement... Le mot plagiat vient tout de suite à l'esprit quand même. Là, j'avoue, c'est incroyable que les mecs laissent passer ça. On va voir, mais je trouve ça un peu scandalous quand même. Hein. On va voir. Donc moi, j'ai bon espoir ce soir qu'il y ait des bons jeux. Il y a un autre jeu, un FPS horreur, ambiance Poppy Playtime, là. Dans une maternelle autrefois avec des enfants. Mais peut-être c'est Maudit, peut-être Feldoup va intervenir. Ah, je n'ai pas ma lampe torche pour faire Feldoup. Hein. Alors j'ai pas mon accessoire de scène. Oh, c'est dommage. On va faire ça, hein. Allez, on fait le Moon Runner, on fait le Death Stranding sur la Lune. Comme ça, Gabriel. Ah oui, alors attendez, parce que est-ce que ça va vouloir se mettre en fenêtré? C'est la question qu'on se pose. Pour l'instant, il se passe rien. Écran noir. Allô? La Lune? Ici la Terre. Ah, Oxo, ici la Terre. Ça y est, ça capture. Mais c'est toujours l'écran noir par contre. Attends, c'est sur Steam là, c'est même pas... Oh là là, ça va ramer de fou cette histoire. Le capture ou pas? Ouais. Le son aussi, ok, let's go. Baisser un peu là parce que ça risque d'être fort cette histoire. Que je sais pas, peut-être en vrai. Là c'est Kajimo. Ah, c'est un petit bonhomme qui court sur la Lune, oh c'est mignon. Manette. Je sais pas, je... Ouais, manette. Ouais, sur les jeux indés, on va rester... Comment
Ouais, pas quelques francs sous ish, voilà, en high, 1600-900, oui, non, il a même repéré, putain, c'est bien. Max FPS, on va, KP à 60. Et on, eh ben, c'est pas trop mal. Voilà, ouais, il y a plein de réglages. Ah oui, non, par contre, on va se calmer. Calmons-nous. Ray Tracer, non, ça, j'en ai pas de toute façon. Ray Trace, mais genre, j'ai pas de Ray Tracing, mon bro. Salation, bon, allez, bon, là ça met moult trucs, là. Mon plat de pâte, je peux pas écrire. Bah, fais attention, mange-en pas trop, MDR. All TV, non, non. Comment est-ce qu'on valide tout ça? Y a pas des settings En gros, ce sera en anglais, quoi. Est-ce qu'on se mettrait pas un peu plus fort? Alors, on va sur la lune. Walking on the moon. Des petites lunes contrôlées par le cortex astral industrie produisent d'une énergie rare utilisée pour le voyage interstellaire. Les monolithes sur la surface sont désignés, sont là pour récolter l'énergie. Quand les monolithes ont une mauvaise fonction et climat temps standard à échouer à distance, des unités spéciales connues sous le nom de Moonrunners sont envoyées. Alors là, je suis téléporté sur la lune, enfin, sur une lune. Les Osis. Je tombe comme un petit caca. Mais je suis, on dirait que je suis tout petit. Ouais, bon, c'est juste les échelles qui sont bizarres, mais. Incoming. Hey boss. Unité Bibla Bloop. Vite, il y a besoin de maintenance. Faut trouver tous les monolithes et les réactiver avec votre énergie device. Oh, c'est le même truc, regardez, pour détecter. Ok, ça vous redonnera de l'oxygène. Oh, c'est limité. Ok, à chaque truc réactivé, on gagne de l'énergie. Ok, c'est un peu dangereux comme job, non? Alors, je réactive les monolithes, je passe en WASD, évidemment, et c'est parti. Alors, attendez, parce que... On va se mettre en haut, regardez. Parce qu'il y a quand même des informations qui sont primordiales pour vous. Voilà, une espèce de... Alors, avec... Oh, mais il y a vraiment les échelles et tout! Il y a les échelles, il y a... Non, mais c'est chaud. Eh, les pick-up, ah oui. Ah mais c'est chaud, bro, c'est plus du plagiat, là. Puis en plus, je vais un peu vite pour la lune, non? Ok, là, j'ai mon scanner. Là, je vais mettre... Avec le son étouffé, c'est un peu stylé, en vrai. Ça rajoute le côté... côté stressant de équipe tout à l'heure. Alors, je choisis pas... Hold, ok. Voilà, là c'est abusé par contre. Putain, c'est presque la même animation, quoi. Là, pour le coup, Kojima, ouais. Alors, j'ai mon énergie qui baisse, j'ai mon poids à gauche, là, ce que je peux porter, ok. Je suis censé avoir un flingue, mais là, j'en ai pas. Marqué 0. Je peux pas récupérer l'échelle? C'est le premier, c'est... Ça fait pas très lunaire, je trouve, j'ai un peu... Alors, aim, énergie charge... D'avoir cassé, mais. Votre entreprise vous remercie de votre service. Tant que vous serez à côté de la monnaie activée, ça se rechargera. Ok. Highlight Nearbat, Standard Module. Stranded modules can be used to your advantage or traded at monoliths using your inventory. Alors je peux acheter des trucs. Ah mais ouais, mais c'est vraiment... C'est abusé, les mecs ils ont tout repompé, quoi. Mais ils disaient que je pouvais trade je sais pas quoi, hein. Non, à chaque monolithe. Il dit je peux trade. Mais c'est abuse, man. Ah bah là c'est full Death Stranding, oui, là y a pas de doute. Bah Dead Space, oui, parce que c'est sur la lune, mais les mecs, enfin, ah, par contre y a pas le... Il manque le truc de Death Stranding, c'est-à-dire la gestion des chutes, quoi, c'est... C'est un peu dommage, parce que c'est... Bah, perte de temps. C'est jamais une perte de temps de créer, ma chère. Ah, mes modules, c'est ça. Ça leur apprend des trucs. Ah, y'a des dégâts de chute. Mais pouvez pas le dire. Je suis censé être sur une lune, alors... C'est pas la lune, c'est une lune. Ok. Non, c'est très propre en vrai. Quand tu copies tout, c'est de la création. Bah, t'as presque tout copié. À table, ok, c'est ça que je voulais faire. Fabricate.
Ok. Je sais pas ce que c'est ça, pick-up. Ah, j'ai une map. Ah, la petite map. En vrai, c'est très très propre, hein. Tab, map, shield, sprint. Alors attends, je peux sprinter. Free cam. J'ai une free cam, j'ai le shield. C'est quoi le shield? Waouh. Mais ça me suce mon énergie, ça? Mais là, comme je suis à côté d'un monolithe, ça me le suce pas. Ok. Ah, ouais. Il y a un bébé. Oui, il manque aussi de bébé. Voilà, ils ont pas tout copié, tu vois. C'est vrai que c'est... Non, mais l'idée de le mettre sur la lune, c'est intéressant. Mais que ce soit à ce point visible, c'est gênant. Par contre, j'ai plus d'échelle, si j'en ai deux. Non, j'en ai plus, c'est ça? Ah, j'aurais dû acheter une échelle. Attends, je suis retourné acheter l'échelle. Je peux speeder. Mais oui, et... c'était un peu trop dur de faire le système de chute et de gestion d'équilibre. C'est toujours un truc que je trouve cool hein, sur Death Stranding. Not enough credit. Ah mais j'ai dépensé ça comme un con. Ah mais je peux vendre du coup. Trade, ah. Ah oui, trade. Alors je trade. Et comment je trade du coup? Non, je veux pas trade. Je veux les vendre. Et ben, comment qu'on trade? Deliver. Ah mais c'est le même système. C'est, je peux pas le vendre n'importe où. Oui, ils sont à 175 mètres. No item, bien, ben. Monolithe U75. Et c'est quel monolithe ça? Ça c'est quoi? C'est pas ça. Monolithe L97. Y'en a pas un qui veut aller à L97. Ce serait trop beau si on m'aurait dit, je pense. R43, ça va me faire. On s'en met à en fait, ça va me faire autant chier que le vrai en fait. C'est un sac. Ah, mais je peux pas, du coup, je peux pas acheter des gels. Donc je suis coincé en fait là. Je peux pas reprendre juste l'échelle quoi. Et non, je veux la reprendre en fait, moi. On va passer par en bas. On va redescendre. C'est quand même sympa, hein, mais... Ils ont dû commencer tout de suite après l'attaque ouverte Death Stranding, ils se sont dit putain. Ah, il y a les petites barres, voyez, on voit que je m'approche de K19, là. Je pense, laisse tomber. Ah, merde. J'ai pris des dégâts de chute un petit peu. Blablabla. Oui, ça absorbera un peu le dégât, mais pas trop quand même. Mais de toute façon, j'ai même pas de gun, quoi. Il me disait pour sortir votre gun, mais j'en ai pas. Faut que j'en achète un en fait. Alors, on va activer celui-là. Tu l'actives, il se rebaisse. C'est un truc phallique, ça. C'est phallique. Ah si, quand tu cliques trade, ça va en direct. Et j'avais pas compris. Ok, fabricate. Oui, ça j'en ai besoin. J'ai combien de sous? J'ai 750 credits. Ah, je préfère avoir ça. Je préfère avoir une échelle quand même, j'en fais qu'une. Ouais, on va en faire qu'une. Monosaucis, ouais. Non, bah ça, monosaucis, c'est normal. C'est pas... sans en avoir de... Hein, sinon, il y a certains de tes ex qui ont des problèmes. C'est à quoi t'es habitué, c'est pas normal. Oh, il y a un riff module gratuit là-bas. Oh, j'ai bien fait. Attends, on va aller chercher. Vite, on cherchait le riff module. Bah ouais, un flingue gratuit. Enfin, c'est un flingue, un riff module, ou c'est des balles? Ah, attends, je le pick-up. Oui, oui. Ah putain, mais ils sont trop rapides en vrai. Ah, c'est ça qui manque à Death Stranding. Alors, il paraît qu'il y a des armes, mais j'en ai toujours pas trouvé dans Death Stranding, moi. Ah, mais c'est vrai que j'ai le shield. Ah, j'ai le shield, mais c'est chiant. Ah, il me... Oh. Je sais pas comment on trouve les armes dans Death Stranding, si vous savez. Allez, celle-là, là. Oh, c'est quoi, ça? C'est sus? On peut même pas... Ok.
Bon bah c'est oui, c'est comme Death Stranding en moins joli et puis en plus basique. Enfin, l'échelle à tiens, c'est miracle hein. Bonsoir Mike. Il y a des trucs chelous qui me poursuivent. Ça je garde. Scraper Unit 87C5, Astral Cortex Industries is proud to have you as a partner on this journey. And thanks you for your service. J'ai que 750. Ah, et je peux prendre des trucs qui vont dans d'autres. Oui, c'est complètement. Est-ce que j'ai très envie de faire le jeu plus longtemps que ça? J'en sais rien, parce qu'en vrai. Là, y a pas les belles cinématiques avec des jolis trucs bien scannés, quoi. Donc bon, on va encore plus se faire chier rapidement, quoi. Bah ouais, bah c'est Death Stranding, le mini-jet 2, c'est... machin, là. Tu sais? Comment il s'appelle? Ah... Je connais que ça, comme jeu. On le connaît tous, ce jeu de mort. Comment il s'appelle? Ah, le jetpack. Putain, mais... On y a tout joué. Ah non, c'est pas, je veux pas le tirer à coup d'échelle. Hein. Ouah. Non mais le gameplay avec le bouclier est pas mal, mais. Ah, je vais crever. Ouais, t'apprends leur pattern et tout. Bah, je suis mort, hein. Ah mais j'avais plus de fusil. Il faut progresser en histoire, ouais. Mais c'est comme la moto. No Man's Sky. Bon, écoutez, on va pas persévérer plus que ça. Parce que là, c'est vraiment juste avancer pour upgrader, quoi. C'est... Oui, c'est propre, hein, c'est sûr. Mais quand t'as pas à faire trop la recherche et le développement... Enfin, un petit peu quand même, mais... Bon, après, c'est un jeu complet. Si vous avez pas des sous pour Death Stranding, vous pouvez un peu tâtonner et puis voir ce que ça donne, hein. Après tout, bon, moi, bah, c'est gratuit, tu peux vraiment rien dire. Pour un jeu gratuit, c'est du bon boulot quand même. Hein. C'est une copie pas si mal faite. Il manque 2-3 essentiels quand même par rapport au truc d'origine. Et puis surtout, ça n'a pas grand intérêt. Puis c'est pareil, ça manque un peu d'introduction, quoi. T'es un peu de dialogue, un peu d'être le sentiment d'être perdu sur la lune. Là, c'est pas bon. Bon, bref. Allez, on va jouer à Concrete Tremor. Ah oui, le jeu de bataille navale, mais un peu chelou. Je suis curieux de voir ce que ça veut dire, ça. C'est bizarre. Non, attendez, parce que du coup... Là, ils ont dit, c'est en plein écran. Ah, il va falloir que je vous mette. Si les jeux à 20 balles avaient ce standing, t'aurais plus de taf. Bon, si, on testerait juste des bons jeux, c'est pas interdit, hein. Ah, baisser un petit peu. Alors, en fait, on va jouer à bataille navale. Mais genre, on va pas tuer des petites croix, des petits bateaux en plastique. On va tuer des gens. Dans les immeubles. Enfin, on va tuer des immeubles. Et c'est genre Strodip, tu vois. Ça bug complètement. Non, ça, c'est pas mon live à moi, je m'en fous. Voir mon live. Zbouing, 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 zbouing. Vous connaissez? Je mets mon téléphone, ça fait zbouing. Hop. Est-ce que je vous vois? Je vous vois. Alors, qu'est-ce que c'est? Un peu glauque, je sais pas, pays de l'Est, hein, j'ai envie de dire. Ah. Est-ce que je peux mettre? J'ai très très faim. Bah écoute, ouais. Marqué Straf programme. Ah, c'est mon plat, je mange. Ah mais je suis un robot. Ouh. Il n'y a pas de réglage possible, c'est nique ta mère. Nique ta mère les réglages. Oh, il y a le feu de fenêtre, très bien. Bon, alors je sais pas, j'ai faim. Ah. Mange. Que voyais-tu de ta chambre? Quoi? Tout ce que je vois, c'est un mur de ma chambre. C'est que quelqu'un a choisi l'entrée du bâtiment, oui. Mais où sommes-nous? Je comprends.
Aucune idée. Non mais y a pas de jeu parfait à part ceux que moi que j'aime. Je devrais vérifier le toit. Non, une chambre sur le toit. Je sais pas quoi. Bon, c'est là c'est deep. Hein. Là c'est art et essai. Hein. Là on a mis des gros filtres gris sales. Là c'est pas. Attention. Hein. Alors checkons le roof. On voit rien. C'est critique de l'ère soviétique, tout ça. Hein. Il y a un bruit de pigeon du futur là. Entendez le pigeon du futur? C'est important pour le lore. Et je suis sur le toit. Ah oui, c'est très. Ah oui, la critique de la société quoi. Et sur le toit, bah y a rien quoi en fait. Les oreilles. Ok. Les deux joueurs sur le toit, permission de tirer. Et gratter les blocs. Baisser un peu, c'est fort. Et si change de camp, ils vont mourir de toute façon, les blocs. Le téléphone. Ah oui, vraiment, c'est bataille navale, on voit le tableau là. Allô ? Les règles sont simples. Une centaine de carrés, 25 bâtiments, 5 tours par tir. Si vous ratez 5 fois, on appelle l'autre joueur. Celui qui fait péter les bâtiments de l'autre. Ah, on est dans des blocs séparés par des murs, on a vu. Ouais. C'est pas si mal mis en scène que ça, en vrai, c'est glauque comme idée. Your turn, building 25, ok. Et oui, c'est comme les... Oui, oui. Alors, par contre, c'est quoi les points, là? C'est quoi la différence entre les points noirs et les petits traits? Mes bateaux à moi, ils sont où? Ah, c'est tout mes... Ah oui, ça, c'est mes bâtiments. Ah oui, j'en ai 4 de 2. Ah oui, je croyais que j'en avais que 5 en tout, je comprenais pas. Ok, ok. On tire où? Allez, dites-moi. Bah je joue avec des vrais gens, c'est-à-dire que je vais tuer des gens dans les bâtiments. Je vais baisser un peu le son. On essaye où là? Donc je pète ces immeubles et il y a les mecs qui me menacent de me tuer même si je joue pas de toute façon. Ah mais il disait là. Où est-ce que ça peut être? Bon je pense qu'on va pouvoir commencer. Bon, il y en a dans les coins, hein, pas mal de coins. Hein. Même quand ça... Des trucs obscurs. Ah c'est pas moi, hein, moi je... Bon écoutez, je vais faire le premier, je vais faire... Attends, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, je pense que c'est ça, c'est dans l'ordre. A9, alors A9. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça touche ou ça touche pas? Ouais? Si je fais A1, je sais pas parce que moi j'en ai dans les coins. Pourquoi A1 ça marche pas? Dans ce sens là? Quoi? A2? Le problème c'est que je sais pas ce que je tire. Attends. A1 c'est à toi. Mais pour moi on a chacun une grille de l'autre côté. Ah c'est parce que... Mais non c'est débile, sinon ça voudrait dire que ces bâtiments peuvent pas être sur le même case que le mien. Alors du coup, c'est 9. Je comprends pas trop là en fait, la lecture de la grille. Je sais pas. Hein. J'essaie des trucs, c'est pas grave. Ah, je fais les 5 tirs d'affilée et après je vois ce que je trouve. Ah ok, c'est pas un tir. Là c'est à lui de faire ses tirs, ok. Ok, il est en train de faire ses choix. Ok, putain, mais c'est dur parce qu'il faut se souvenir... Ouais, ok, d'accord. Oh putain, il m'a coulé mon porte-avions. MDR. C'est dommage qu'on n'entende pas des cris de... Ah, et oui, on sait qu'il y a des gens dans les bâtiments parce que nous-mêmes, on vient d'un bâtiment. Bon, le 9, est-ce qu'on essaye? On va faire... ABC, C8. Et tu vois, pourquoi est-ce que je peux pas faire mes propres bâtiments à moi? Enfin, c'est bizarre, non? Ça, je comprends. Le truc a pas de sens, mais...
On va faire C8 et on va faire D9. Comme ça, on est sûr de normalement toucher un truc. Ok. Après, si on fait... c'est quoi? C'est I7. I7, et on va dire qu'on a de la chance. On va faire I8. Et il triche. Et I9. Tac, tac, touché. Ok, c'était... Oh yes. Oh, j'ai un peu de chat, j'ai un peu de chat. Les points, tu sais qu'il y a rien. Bah oui. C'est un peu... Mais c'est pour pas que ce soit trop grand. Peut-être il a vu trop grand, il s'est dit... Genre, ces bâtiments peuvent pas être au même endroit que les miens. Bon. Bizarre. Fais ses tirs, voyons voir. Il a rien touché. Oh le bâtard, je vais le niquer. Attends. Oui. Il a tout raté. Il va me connecter, c'est un des propriétaires de opposants. Ah, j'appelle un des bâtiments. Ah mais c'est glauque. Je pensais pas qu'il y aurait du ça. Ça fait un petit peu inscription aussi dans l'idée. Mais c'est clair. Tu es de l'administration, blabla de la santé. Apparemment il y a eu une erreur. On n'est pas supposé être là. Vous allez être évacué. Ah mon dieu, vraiment? Oui. Oh non! C'est moi qui dis ça? Je veux savoir dans quel bâtiment vous êtes. Quelle horreur! Quelle horreur! C'est vrai qu'on voit pas quand ça pète chez lui, mais quelque part c'est aussi glauque. Ça c'est horrible que j'ai pas le choix par contre. Oh, quelle horreur! Ah, oh, c'est ignoble! Ignoble ou bon, on a du matos. Alors. Ah, oh, putain, c'est crado, la vache! Ah, oh, c'est sombre, hein! Bon, là, on va faire H, donc H9, H7. À quoi que c'est peut-être là? Bon, on va voir. Et là, on avait dit C7, C6, on peut essayer, hein. C7 et F8. On va faire C7, C6 et F8. Bah, je le fais! Oh, le massacre. Ah, ok, c'était qu'un 3. Oh, la boucherie. Et les coups de fil, en fait, c'est des bonus dans le sens où, ouais, ça t'aide à... Ouais. Allez, on va. Encore? Ah non, il m'a touché. Ouf! Oh, il m'a défoncé. Oh, il y a eu le gros, là. Mais par contre, ça marque pas ici ce qui m'a défoncé. Là, il devrait mettre 0, tu vois. Et bonsoir, Bénédict! Ok. Bon, alors F8, c'est dans quel sens? On va explorer un peu. On va essayer F7. Ah, c'est sale! Ah, je me sens sale. F7. E8, sait-on jamais. Et on peut faire F9 au cas où. Voilà, ça c'est pour l'exploration. Ah mince, ça n'a pas marqué E8. Je l'ai pas validé. Bon, après on pourrait aller chercher là. Genre B3 là. Non, C3. On appelle à une victime de la cible ou mentez à quelqu'un pour le tuer. On va fils de pute. Non mais là il me tire la ligne du bas, il me tue tout en fait. J2. Ouais, J2. Ok, ouais, il n'y avait rien. Oh yes, ça touche pas mal ça. Ça concorde pas avec les bâtiments, bah c'est peut-être la ligne où moi je suis, peut-être, j'en sais rien. S'il me tire dessus. Il a 14 bâtiments l'ennemi. Combien j'en ai? Non, moi il m'en reste 14, ok. Je sais pas si c'est scripté, si je peux vraiment perdre au bâtiment ou pas. Ouais, la ligne du bas, effectivement, j'ai rien, mais où c'est celui où je suis, peut-être. Bon, alors là, on avait celui-là. On va voir dans quel sens c'est, parce que ça peut être dans les deux sens. Alors, C2. Ou D3. Alors, on peut faire ça, on peut continuer à explorer ici, là. 3, alors H, IJ, donc H3. J'aimerais bien qu'il me les marque, toi, avec un petit rond, voir où j'ai choisi, parce que je me souviens plus ce que j'ai mis, des fois. Et on va...
Parce que j'en ai pété combien de bases de vaisseaux? J'en ai pété 2 de 3. Donc j'ai pété tous ces 3. Il reste encore des petits, il en reste un de 4, quelque part. Il reste 2 petits, peut-être en 6 là, en J... En J6. Ouais. Ou alors en H5. En I5 plutôt. Voilà. Ok, donc c'est sur la droite. Ok, ok, c'est pas si mal, c'est pas si pire. D3 become human MDR. MDR. C'est un jeu de David. En vrai, j'aime bien l'idée, puis c'est, ça va vite la mise en scène. C'est juste que le tableau, il manquerait des. Oh le bâtard. Oh le bâtard, oh le bâtard, oh le carton là. C'est dommage qu'on n'entende pas des hurlements. Bon, là, je pense que c'est le gros, on va faire le carton là. 3. Donc à 3. Je pense que c'est le gros. A3. B3. ABCD. E3. Voilà. F6, tu disais, mais là on va plutôt se concentrer là aussi. 4. Alors. H4. Et H2. On va pas prendre de risque. Oui. Ah, j'en ai eu un au pif. J'en ai eu un au pif là-haut. Ok. Oh. Non, je crois. Attention. Mais oh là, il triche. Il triche. Attendez, mon chat qui est mort. Enfin, horrible, oui. Ah, il m'appelle. J'ai pas raté. Pourquoi il m'appelle? Game over. Ah, j'ai perdu. Ah, mais on les voyait encore à moitié debout. Bah, j'ai perdu. Ah, il me nique ma ligne du bas à la fin. Oh non. Ah, bah trigger warning, du coup, je savais pas. Ah ouais, c'est glauque. Est-ce qu'on... Oh putain, ça ferme. Est-ce qu'on peut... Attends, j'ai envie de réessayer un petit coup, là, attendez. J'ai envie de réessayer, quand même. Voilà, voilà. Ah, alors, bah, t'es... Ah, il me plaît bien, c'est... J'aime bien, là. J'aime bien ça, voilà. Il est bâti, voilà. Il est splendide. En plus, on est des robots, en vrai. On entend bien la voix. Ça, c'est que des robots, ça va. Bah oui, voir ce qui se passe, bah. À mon avis, l'autre il a son tiroir qui s'ouvre. Et... Non, puis c'est horrible parce que quand tu vois le point de vue des mecs en hélicoptère, voilà, tu sais que t'es juste prisonnier de mort et. Et c'est tout quoi. Vous voyez les. Franchement, entre ça et Exorcist 2, tu vas pas me faire croire que ça c'est pas 10 fois mieux. C'est plus court. Mais c'est mieux quand c'est court et que c'est bien, que quand c'est long et que c'est nul à chier. Ouais, d'accord. Bon. Oui, je shoot check the roof. Ouais, on va checker the roof. Maintenant que j'ai un peu mieux compris, j'ai un peu moins tiré au pif au début. Après la petite intro, on aurait pu s'en passer. Mais oui, là tu vois, en montant, on devrait voir d'autres personnes. Est-ce que je peux peut-être parler à des gens, tu vois, ça va les potos? J'ai tous vous niqué MDR. Tu vois, faire un petit peu de storytelling en montant, tu verrais des gens avec des enfants, tu verrais... surtout la première partie, tu vois, tu sais, quand tu sais pas ce que ça va être, moi je le savais un peu, mais... Tu verrais des petits animaux, des bébés, tout ça. Ça serait un peu plus... Tu sais, ça coûterait pas cher. Cette vue, elle est pas mal. Hein. Et on voit qu'on est à moitié enfermé, ouais. Un frustrant qu'exorciste de... Bah oui, c'est plus jouable. Il faudrait qu'on puisse skip aussi. Et qu'il n'y ait pas ce bip horrible là. Et on voit la séparation entre les deux. Oui. Un petit peu de storytelling, c'est pas compliqué. Hein. Ça a pas besoin d'avoir des graphismes de fou en fait. Alors je peux pas. Ouais.
Des rabais que les enrubés, un robot enrubé. Alors, bon, concentrons-nous. Ici, il y a une grosse croix là. Pour y en avoir là, donc on va faire C6. On va d'abord essayer de défricher. Ah, il y aurait bien le C3 aussi. Là, il y a une grosse zone. Hein. I6. C'est beaucoup de 6 quand même. Merde, je me suis gouré. Non, si, j'ai mis 3, je sais plus. Bon, alors après, par contre. H2. Et je sais pas moi là, A6. Alors, je fais que les 6. C'est très. Oui, ceux-là sont 6. Ah, j'aurais cru mieux. Hein. J'aurais cru mieux. Glauque est bien fait. Bah là, c'est déjà glauque, hein, parce qu'on en sait pas trop, mais tant mieux. Là, il va me détruire. Ouf. Allez, il m'a détruit Fiac. On reste sur le 6. Hein. 6. Bon bah là c'est quoi on va dire. Est-ce que A5 et A7, on va tenter en espérant que ce soit un morceau de 3. Et ici, A, B, C, D, E, F, G, H. Ils auraient pu mettre les lettres aussi, parce que moi je suis bête, hein. H3, oui. Non, c'est moins bien parti, hein. Oui. Oui, ça touche. Allez, c'est pas mal. Mais tout à l'heure, il avait pas touché autant dès le début, hein. Là, il me défonce le cul, hein. Encore, je peux rien faire, de toute façon, oui, j'ai pas de souris. Il a raté. Ah voilà, j'ai droit à un coup de fil. Je crois que c'est gratuit. Scripté, peut-être aussi, oui, c'est fort possible. On va essayer quand même. Ouais, c'est la même dialogue à chaque fois, ça. Je sais pas si je peux pas gagner quand même. Comme ça, ils ont même pas besoin de le doubler à chaque fois, ils font un bip et hop. Bon, I9, hein. I9, c'est là, ok. Et ben, on va faire I8. Et on va faire H9. On sait jamais, puis on va faire I7 aussi, hein. C'en est sûr. Et là, on en était où? Alors là, on aura quoi? B5. Ok. Ah, I7, il y en a un autre. Putain, si le mec il touche après à chaque fois, si j'ai droit qu'à un seul rang, on ira tout, c'est dur. Hein. Dommage qu'on ait pas des contre-mesures et tout, genre de truc, mais là ce sera un vrai jeu. Oh mais putain, bah non, mais là ouais, c'est, tu peux pas gagner en fait. Tu peux juste pas gagner. C'est quand même très dur. Alors là, on avait un. Donc un H7, je pense. Alors, un VCDE. E6. D6. Et alors là, B3. Hein. B3 et c'est D3. Become human. FDR. Oui. Oui, non, pas du tout. Merde, c'était dans l'autre sens. Putain, quel con, dans l'autre sens. J'avais pas pensé que ça pouvait être vers le haut. Merde. Ah, oh, ça va riper, hein. Ça va riper une piste, là. Merde, non, ça... Mais oui.
Oh. Oi, 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 oi. Alors, j'en ai combien des deux, là? J'en ai touché 1, 2, 3. Donc, il en reste un de deux. Là, c'est une croix, là-haut? J'arrive pas à voir. E3. Become pas human, MDR. Donc là, ça pourrait être celui de 3. Mais peut-être... Il y en a plusieurs, alors on peut essayer ça. Là. H4. H4NX, MDR. Et est-ce qu'on fait H5 ou pas? Non, on va faire plutôt celui-là. Et F5, on l'a fait ou pas? Je sais plus. Non, c'est ça, hein. A, B, C, D, E, F, ouais. F5. F4. Ça, c'est... sur les claviers, là. Et puis, on va faire F7. Des fois que ce soit le gros. Hein? Allez. Tu vas réussir, j'ai bien peur que non. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, ça touche, mais... Bon, en 10 tirs, il peut pas me niquer tous mes buildings. Mais, ennemi turn, c'est lui qui lui en reste 9 ou... Ah, je sais plus. Faudrait que je compte, je vois pas... Non mais il va me faire game over. Ah oh, mais ouais, non mais ça full cheat là, j'ai plus que quoi. 1, 2, 3, 4, 5 trucs debout. Ouais, il me reste que 5. Oh, c'est now or never quoi. Non. Je peux pas. Donc les 2, 3 ils sont finis. Il me reste 1 de 2. Qui est on sait pas où. Puis il m'en reste plein de 1 là, les petits 1, mais ils sont trop durs. Ah, il y en a un seul de 1. Ah ouais, non, c'est trop dur. Trop dur, il y en a de 4. Il y en a 2. Bon, bah on va faire F8. A, B, C, D, E, F. Attends, A, B, C, D, E, F. Donc F8, ça c'est sûr. F. A9. Tu crois? Ouais, mais il peut être aussi là. Là j'ai mis F5, hein, c'est ça? Non, j'ai mis quoi? F8. Merde, j'ai fait quoi là à l'instant? Ah, je peux pas annuler? Ah merde, je sais plus ce que j'ai rentré quoi? J'ai mis F5? Ben non, je l'avais déjà mis. J'ai mis F8 ou j'ai mis F5? Merde. Bon, H5. Attends, ouais, si je mets F8, ça fait quoi? Ouais, je l'ai déjà mis. Ok, non, c'est que j'ai pas mis F5, c'est qu'F8, j'ai déjà mis. Non, je me suis pas trompé. Alors F9 du coup, imaginons c'est le grand là, celui de 5 on l'a pas eu encore. Bon et pour limonade, on va mettre à 9. Il y aurait peut-être... Mais ah oui, A, B, C, D, E, E10. Non, non, non. Oui. Non. Oui, oui. Ah, j'ai eu celui de 5, mais... Ton du F5, mais j'ai peut-être dit F5, mais j'ai... Bon, bah, game over. Voilà, oui, on sait qu'il va me les niquer. Alors, lui, il en a 7 bâtiments encore. Putain, il en a 7, mais il a un tour d'avance. Pourtant, il rate un tour, tu vois, pour me donner l'avantage. Voilà, c'est game over. Faut genre pas se tromper, quoi. Ouais. Allez. Oh, pire. Oh, putain, mais c'est chirurgical, quoi. Oh, c'est trop dur. Ouais, c'est bon, F4. Non, c'est un peu chier parce que c'est un peu long quand même. Ah, c'était bien quand même. Mais ça se trouve, ouais, il n'y a pas de good ending. Pas de good ending, je sais pas. Alors, un petit jeu sur Steam. Maintenant, on va alterner Steam Itch.io. Ah, c'est bien, le concept est cool. Hein. Le concept est cool. Alors, on va faire le petit jeu de Poppy Playtime, mais en pas cher. Genre gratuit. Disclaimer. Attention, il y a des images qui font peur, ça clignote et des bruits qui font peur. Attendez, ça vous capture. Ça vous capture Ziz. Screen off. Voilà. On peut avoir des merch. Ah putain, c'est comme. Ils vont faire des NFT comme Poppy Playtime. C'est vraiment une vraie copie MDR. Garden of Pampan. Non, attention, tu vas te faire ban ban. Dis pas ça. Bon, allez, c'est en baisse, on verra.
qu'il y a ça comme site. Abdi. Il y a le 2 que tu peux réserver, mais il sera peut-être payant celui-là. C'est moi. C'est les smileys YouTube. C'est vrai que... Parent qui cherche ses enfants disparus, il y a un sujet assez délicat. Donc je clique sur l'horloge pour avancer le temps. Bon. Il y a une planche là. Quoi ? Faut que je clique, faut que je... Ah, il y a une heure qui... Ah, 2 heures d'après-midi, il y a du sang. Bah, il fait nuit. Il y avait un truc à faire de spécial ou c'était du storytelling? Ah. Oui, merci, je... merci. Vous me dites si ça rame. Boots. Oh là, attendez, il y a un souci. Il n'y a pas le... Ah oui, c'est ça qui me manque. Voilà. Title, ouais. Apply. Il n'y a pas le V-Sync? J'ai l'impression que je peux pas le mettre. Heureusement que j'ai vu ça parce que... C'était un tuto, bah un tuto pour rien faire. Je veux juste cliquer sur le... Ça rame pas trop. Ah, ça rame un peu quand même. Parce que je peux baisser. Ouais, ça accroche un peu. Bon, ça a l'air d'aller, non? Y'a pas de flou cinétique. Regarde la l'autre décos là. Activity area. Je peux pas rentrer. Mange tes légumes et tes fruits pour devenir fort comme moi. Jumbo Josh. Pampan. Maternelle de Pampan. Ah. Ah, ok. Quick, la petite carte. Ça fait ma tête. Oui, oui. T'embête. Oui, embête dans l'usine. Sbouleep. Bien grosse. Ok, ils ont un drone à la maternelle. Bah, let's go. Oui. The remote. Ah, il faut deux piles. Ah, chère maman, je suis caché dans une pièce, mais je dois d'abord combattre le monstre. C'est la seule chance de faire en sorte que Claire m'aime bien. Le monstre, Claire et moi. Lol. Ok, donc les enfants, il y a un monstre. À l'école de Pampan, il y a un vilain monstre. Il doit être youtubeur. C'est l'air maternel. Le monstre, hein, pas Pampan, lol. Montre assis et Claire. Une pile. Effet de ray tracing de fou là. Hein. J'ai pas de menu. Mais je vais les boucler le monstre. Les boucler, j'ai même pas vu. Oh! The fuck les amis. Ok. Play to use your toy, ok. Je le dirige pas, hein, je... Ouais, c'est juste. Right to teleport the toy. Next. Hein? Quoi? Genre, je fais ça et pouf! Control. Attenita. Attends. C'est du ray tracing. Il est tout petit, à venir! Ah, je lui dis où aller. Ok, d'accord. Bon, ah oui. Ok, j'ai compris. Ça y est, c'était pas évident, évident, mais. Attends. Allez. Ah ouais, bah ouais, c'est pas évident parce que... Oh mais c'est très lent par contre. Plip ploup. Ouais, je pense que c'est un gros, ouais, le gros truc rouge. C'est origine. Ah ouais, mais le problème c'est que... Oui, c'est qui gère la profondeur, mais... Mais moi le problème c'est que je vois pas trop où je vise là. C'est un peu mal foutu leur système là. Oh putain, ça marche pas comme ça les drôles. Non, parce que TP ça le fait revenir au milieu, non, c'est ça? Pour moi, TP, ça le remet au... Ça le remet en... Tu vois, si je fais TP, hein. Tu vois, ça te le remet en... Ah! Sur moi, ça le remet? Non, ça le remet en position de départ. Oui, je peux rentrer, du coup. Ah, il y en a un autre, il y en a un autre. Non, c'est là, c'est là-bas. Oui, bah ça y est, viens là, viens là. Pouip, pouip, pouip. Oh putain!
Oui. Viens avec moi, mon copain. Attends, je l'emmène avec moi. Hein. Oui, j'ai vu un monstre là-bas. Tu viens? Viens, mon copain. La fin est ici. C'est sombre là-dedans. Je peux pas marcher. Il y a genre un invisible wall. Hein. Mais c'est... il y a des vitres ou c'est genre mieux? Non, c'est une vitre? Ah, c'est pas clair. Oh, il aurait pu faire une vraie vitre parce que là, c'est la flemme. Partager, c'est se soucier. Votre pancréas est à moi. Ah bah, Bamban, il a dit ça. Les jouets ne peuvent pas directement... peuvent be directly... Ah oui, à travers les matériaux. Genre, je peux le commander à travers. C'est-à-dire... il va casser la vitre? Bah, c'est une bonne idée, mais c'est un peu lent. Whiz. Ok, ah, Naughty Corner, ah bah ça... ça c'est pour Pampan, ça. La bonne idée. Par contre, c'est un peu lent. Hein. Ouais, non, il y a un truc que je piche pas. Ouga Booga. Booga Ouga. Sacré Captain Fiddle. Ah, mais c'est chiant, en fait, parce que... on va plutôt le mettre au sol, je vais monter dessus, attendez. Ah oui, je peux sauter en plus. Regardez, regardez. Allez, on va faire ça, direct. Oh, ça marche pas. Ça marche pas, là. Je voulais faire le jeu, là. Eh ben, fonce. Ah, mais les yellow trucs, là, je peux le commander à travers le yellow truc. Ah, mais non, mais c'est qu'il y a une vitre. Ah, mais là, il peut passer. Hein? Oh, c'est pas clair, hein. Pas pour les blesser. Ah oui, et pour pouvoir l'envoyer. Pas facile, hein. Ouais. Hein. Ouais. Il dit c'était bon à travers le vert jaune. Je crois rien et tout. Ah. Ah bah si, ça se casse. Je comprends rien. Oui, parce qu'il disait breakable alors, mais... le coin des passages. Allez, hop. Allez, on est bon, on y arrive. Whip, whip, whip. Eh ben. Il est dessus, là. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ben, j'aurais cru, moi, que c'était ça. Attends, je peux ouvrir, là. Ok. Ok, pas glauque du tout. Gentillesse, c'est gratuit. Mais mettez saupoudrez-en partout. Bambalé, non. Bon, ça c'est Angel Bayou. Hein. C'est pas la bonne couleur et ça non plus. Ok. Ouga Booga, ouais. Alors, un peu lent le rythme. Hein. C'est chiant, là. Allez, casse la vitre. Bang. Oui, il est pas actif, mais bon, je... j'ai d'abord été fouillé, là. Voilà, mon ami. Alors, il y a quoi? J'ai un œuf. C'est un historique. Bonjour à tous les zombies, ça va la psys. Bonjour à tous les explorateurs. Oh, mais il est dégueulasse. Opila Bird Mission. Opila Bird, l'oiseau Opila a très faim. Trouvez ses 6 œufs et vous gagnez un prix. Ok. Destructive tool is needed to remove the plank. D'accord. Oh. Ce sale bruit là de drop bass de dubstep. Si. Ah bah si. Ah bah laissez-moi faire. Oh, ils sont pas fun. Attends, tu laisses jouer le toboggan. Tu fais pas ta pute. Vu où? Ah là. Ah oui. Le dodo des... ah, je peux au moins faire le toboggan. Ouais, sans plus quoi. On scanne. Alors regardez, c'est un petit pont pour la rivière. En vrai, hein, t'es gamin, t'as une aire de jeu comme ça, tu cours partout comme un gogol. Hein. Tu te cognes partout, t'es content. Hein. Parce que tout est en mousse. Ah ah, je le savais. Il en manque encore deux. Pas au pied de l'arbre ou dans l'arbre. Hein. Uh-huh. Un œuf. Oui, y a-t-il un œuf?
Mon ref. Où y a-t-il un œuf? Il n'y en a pas d'autre, il n'y en avait qu'un là. C'est quoi ça? Je ne peux pas me baisser. D'accord. Je sais pas trop en fait. Là-dessus, il n'y en a pas. C'est peut-être pas tout dans cette salle en fait. Je suis en train de me stresser avec ça, mais. Pas monter. Oui. C'est derrière cet arbre là, attendez. Ah, j'en aurais bien moi. Non. Ah, en dessous là? Non, mais je peux pas aller en dessous en fait, donc ça sert à rien. Ah, il y a train... Ah, regardez là! Bon bah prends-le. J'en supplie. Hein. Et alors l'autre... L'autre je ne sais pas. Ah il y a des petits trous là dans les... Non c'est des... Non c'est pas des trous. Okay. On va en manquer un. Intéressant cette histoire. Il n'y a pas d'autre dans le bateau parce que ce serait coquin. On a bien fouillé l'arbre. Hein. C'est bizarre qu'il n'y en ait pas dans un désordre. Genre là. Tac! Putain. C'est une boîte cachette. Tu vas nous chier un marteau? C'est possible. C'est calme comme ambiance. Il y a une espèce de trou là dans les arbres, mais non, il n'y aura pas de. Ah, allez! Pas deux. C'est quoi, c'est une texture dégueulasse. Il est où? Ouais, ben bah, je sais pas. Faudrait faire tomber, ce serait chaud. Regarde la hauteur, effectivement. Bah, j'en avoir besoin après parce qu'il y a des boutons, mais. Là pour l'œuf en vrai. On va voir ce que ça fait mais. Tu veux pas y aller? Non, t'es cogné? Vas-y va. Il veut pas. Parce que dès qu'il se cogne à un truc, il veut plus bouger, hein, ouais. Ouais, il pourrait faire tomber l'œuf. Bonk. Ouais, faut être un... Peut-être dans un des arbres alors. Ah, il est là. Ah non, merde. Ah putain, j'ai cru. Vu de face, ça faisait une forme de boule. Mais non, c'est une branche. Je sais pas. Je sais pas. Et le problème, c'est que... Bah, j'ai tout... hésité. Est-ce que j'ai pas bien regardé? Je cherchais pas encore les œufs à ce moment-là, mais... Je pense pas qu'ils auraient mis deux œufs là, si. Oh, c'est quoi ça? Oh, la petite pute. Et ça fait quoi? Ça active les boutons? Ça a fait quoi? Ah oui, le bouton est allumé là. Oui. Oh! Putain. Putain, c'était bâtard le bouton caché là. On vient voir, qu'est-ce qui nous chie? Une mitraillette? C'est quoi? Claim la carte jaune. Ah, d'accord. Ok. Non, là, il faut un outil destructeur. Allons voir ça. Ah, et là, ça va activer le. Ok. Ok. Mais attends, tu vas te... Bah oui, tu vas te cogner comme une patate, toi. C'est de te mettre genre en face, là.
Ouais, y a que le système de... Il faudrait mieux un truc au sol, tu sais, où ça fasse une colonne ou... Tu vois ? Mais que ça l'envoie pas au sol, qui... Ou que je gère sa hauteur. Ah ouais, mais oui, il veut pas venir. Ah, c'est chiant. C'est pas pratique, c'est dommage. C'est pas si mal. Ouais, bah oui. Recule. Non mais, ouais. Ouais, dès qu'il touche un truc, putain, soyez moins relou. Ah. Ellipse. Bon, là, je vais aller directement me placer où il faut. Et paf. Il va foncer là. Oh, pousser quand même. Ok. Oh, petit marteau, qu'est-ce que ça dit? Distraction à Twan. Twan de l'après-midi. Reviens là voir. Il va se cogner au plafond, il va s'arrêter avant. Oh, c'est chiant. Bon, ouais, on va casser. Oui, ça casse pas grand chose, mais ok. Presse peste. Oui. Emergency stop. Bah ça me sert à quoi ici? Le rire est la meilleure médecine, soyez sûr de sourire. MDR. Ouais, mais là je vais. Attends quoi? What's my. Mais là je vais. Faut pas que je tombe peut-être, non? Je sais pas. Bon, je tombe. Non, faut pas que je tombe. J'ai pas envie de tomber. C'est des boutons. C'est un bouton à l'entrée. Ah yes. Oh, putain, mais faut le voir quand même. Merde. Pas évident, hein. Ok. Ah, c'est pour ça qu'il faut jump. C'est que j'ai pas pris mon drone. Ok. C'est bizarre que je puisse appuyer d'ici, c'est un peu loin, mais... Ah, c'est pas tout à fait logique, des fois, les boutons sont placés bizarrement. Mais c'est quoi cette... Eh, hey, Pampan, ta batterie, elle est chelou, hein. Quelle est ma couleur? Oh! Je sais pas. Je sais pas, frérot. La couleur des trucs? Bah, j'en sais rien du tout, mon bro. Je suis seul, je veux jouer avec le trou, mais tout le monde est parti. Tout le monde fait la fête sans moi. Madame Madison a ma vue, mais elle est partie, j'ai tellement peur à cause du trou. C'est du bruit et mes amis hurlent. Mais c'est un peu... Mais l'oiseau est un peu marrant. L'antille est blanche, le Ouga Bouga est bleu. C'est elle, hein. L'autre, il est rouge, je crois, non? Lui, il est rouge, là, non? L'oiseau, je sais plus. Lui, il est quoi, lui? Le mec fort est vert. C'est vert, ça? Attends, c'est le cas. Ah, c'est lui, Ouga Bouga? Où ce jeu? Ah, mais il n'y a pas violet, en fait. Y a pas violet. Le poulpe, on l'a vu? Oh. Rose parle l'oiseau. Bah du coup, y a ça, mais c'est pas rose parle, c'est orange ça. Ah, c'est vert. Qui c'est qui est vert? C'est lequel qui est vert? Moi, il dit. Mec fort est vert. Lui, tu m'as dit vert. Bon, on va retourner voir, je pense, quand même. Ça se tant qu'on n'a pas mis ce qu'il faut. Celui avant le bleu. Avant le bleu, c'est quoi? Ça? C'est jaune? Ça? Mais non, mais ça, on a dit que c'était la fille. La fille est blanche. Eh ben, c'est pas blanc, ça? De l'air. Hein. Ah oui, d'accord, ok. C'est que moi, pour moi, c'était la même couleur. Ça et ça. Si c'est pas... Mais c'est pas la même couleur, là? Si.
Non? Pourquoi ça et ça? C'est pareil, hein. Vous êtes. Pour moi, c'est exact. C'est, j'arrive pas. J'essaye, hein. J'ai. Teinte de rose. Ouais, maintenant que vous le dites, mais faut vraiment que je regarde les deux alternativement très très vite, hein. Donc lui, attends, c'est peut-être lui qui est d'une autre couleur, du coup. Je pense que quand j'aurai trouvé ça. J'aurais jamais trouvé tout seul, les frères. Ah bah c'était ça. Merci, on n'a pas besoin de faire le tour comme ça. Ok. Attends. Attends, mais... Ah mais le bouton là, il est pas activé de toute façon, ça. Et il me regarde le bâtard. Non. En fait... Mais Bah oui, mais je fais quoi? Oh, je le brain. Pourquoi je suis mort? Je sais pas si c'est pas ça qu'il fallait faire, si? Non mais c'est le stress aussi, là. Ah, c'est creepy, mais mais c'est un peu mal branlé. Ah. Si, bah je l'avais brain, mais... Ah, Oh, c'est cool. Est-ce qu'on peut marcher là-dessus? Ouais. Typico. Non. Là, je sais pas à quoi sert le drone. Là. Il est vraiment creepy quand même. Ah, mais mon drone est là. Ah, le drone pop avec moi. Ah bon? Vas-y, va le niquer. Attends, je sais pas. Mais la belette! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il veut pas m'attaquer. Ah ouais, non, mais là, non. Dommage, y a pas le splash screen classique Freddy de FNAF. Pourquoi il y a marqué H, c'est pas F pour pay respect? Intéressant, mais là, mettez pas un truc si chiant avec un gameplay aussi bancal. Hein. Parce que là, les sauts sont pas terribles, on glissouille, on sait pas trop. Putain, c'est long en plus. Pas mal l'école maternelle. C'est Angel Vayou qui a fait les animatroniques là? Pas mal. Quand même bien fait comment il tourne la tête et tout là. Tiens, mets-toi sur son chemin là. En plus, il voit quand je suis. Je sais pas ce qu'il fout en vrai. J'arrive pas à savoir si c'est fait exprès ou c'est que je me mets à un endroit qui fait qu'il fait bloguer. Enfin, qu'il vienne. Bah, j'appuie, mais. J'appuie de fou, mais ça fait rien donc. Mais ça se trouve, c'est pas ça. Hein. I. H-I. Aïe. Tu vois ? Ah, y'a que ça à faire de toute façon. Parce que taper le drone sur le bouton, il est pas activé, donc ça sert à rien. À moins qu'il faut que j'appuie. Ah, attends, faut peut-être que j'aille activer le bouton vite. Non, ça. Ah, mais en plus, j'ai un mur invisible, ok, donc non. Bah, non, parce que. On est d'accord que le bouton, il est pas actif là. Ouais, non, voilà. Donc, non, bah, y a autre chose à faire. Mais c'est quand même bizarre comme strat de. C'est quand même super limite, tu vois. Oh, mais putain, tu glisses de fou. Faut peut-être que je passe d'abord HIR. Hier. Peut-être que oui, c'est... Non, parce que ça paraît bizarre le coup de sauter à moitié de travers, là. Quand il commence à bouger, le bouton s'active pas. Ah! Alors on peut préparer le drone. Peut-être. Oui, ça serait... Mais là, je sais pas, il... Oh, doucement. Attends, on va directement le placer. Hein. Voilà. Il y aura juste à recliquer, fais voir.
comprends pas parce que... Ah si, merde, putain, mais... Et ça fait quoi? Bah appuie, il a pas fait. Oui bah attends, ça bug, hein. Ça fait quoi? Oh yes, ah oui, c'est... Vite, 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 vite! Mais c'est chaud! Ah non, fallait que j'attende. Oh, c'est pas clair! C'est pas clair parce qu'on... Ouais, on passe avant et le bouton était... Ah chier, ce smile est triste. Oh, c'est pas... Bah non, mais moi je suis en panique, il y a le méchant qui arrive, alors moi je fais tac 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 tac. Oui, ça paraît plus logique, le fait qu'il y ait un truc qui monte, ça suggère qu'il y aura une plateforme, plutôt que d'espérer... Oui, on peut pas, à mon avis, on pouvait pas faire ce que je voulais. Pareil, le drone, faut penser que tu peux le faire venir et tout, c'est pas... Ah, ça manque de lisibilité sur le game design et tout, c'est pas... Non, 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 tu peux pas, regarde, c'est obligé que tu peux pas, ça se voit. Parce que tout à l'heure, j'étais en position normale, quoi. C'était direct sur le siège, ouais. Allez, plus vite. Allez, on y va. Je fais quoi, du coup? Ah oui. Hold shift de fou, là. Je peux pas passer, en fait, là. Bah oui, mais... Du coup, il y a un mur invisible en fait là. Faut que je reparte sur le télésiège. Quoi? Je sais pas là. Passage à gauche? Ah non, c'était le placard où on avait pris. Gauche. Il y a des boutons, faut peut-être appuyer pour le faire tomber le truc. Ah ouais, l'arrêt d'urgence pour le faire tomber. Putain, mais c'est. Il n'y a pas un milliard de trucs, mais je me paume. Bah, moi je veux fuir, tu vois. Y a, en fait, c'est qu'il y a des. Le level design te fait faire d'abord d'autres trucs plus logiques, comme t'enfuir. Bon, là, ce que j'ai fait avec le télésiège, c'était pas logique, mais c'est bizarre. C'est. Mais si, vas-y! Attends, hein. Ça, c'est chiant. Le truc du drone qui fait ça, c'est relou. Aussi. Oh, on l'a pas profité, c'est mal foutu, on en profite même pas. C'est dommage. Ok. Bon, enfin, on n'a pas trop vu comment il est tombé parce que le truc s'est rangé doucement. Ouais, on va dire que ça a marché, mais c'est bizarre. Et moi, j'ai gagné quoi? Je sais plus. C'était une clé, une autre clé, c'est ça? J'ai même pas vu ce que j'ai. C'est ça? Non, je sais plus. C'est quoi que j'ai eu comme clé? C'est elle, ok. Pas. Ah, qu'est-ce que c'est? Putman Adam. À Montréal, il vient de Montréal, il arrive à Madrid. Ok, boarding pass 2016. Gate B13. Ok, ouais. Et ça m'aide en quoi que ce soit. Putain, des petits boutons cachés, ils aiment bien ça. Hein. En gros, ça le fait pop dans ta pièce, quoi. C'est un peu de la triche, mais ok. Ok. Ah, j'ose plus maintenant. Bah, de toute façon, je suis bloqué. Encore un monstre? Ah, c'est que je peux pas pendant que ça bouge, mais peut-être qu'après je vais pouvoir. Ça va me faire monter un gros strum là. Ça va me faire monter Ouga Bouga. Bah, c'est cool. Mais Ah, oui, voilà. Non, ça n'avait aucun sens. Genre, faut que je saute et tout. Ok. Bah, je... Non, parce que ça fait pas ça, ça. Oui. Je rappuie, là. Non. Alors, attends, il y a une loupiote. Ah non, il y a un bouton. Putain, le mec, il sait pas jouer aux jeux vidéo, au secours. Que ça va être la fin. Ça marche, bon, bisous, bibou, bien sûr, parce que je pique pas, moi je me suis rasé, non, c'est faux. Ça marche. On verra à quelle heure je finis, je sais pas. Si je suis toujours en train de me battre avec le piaf, c'est que vraiment c'est trop dur. Hein. Et petites idées, mais. Ah, là c'est Ouga Bouga. Là.
Bah, je préviens. Ah. Ah là, il casse. Ouais, enfin, je peux pas faire grand. Ouais, c'est mignon, mais il n'y a pas les moyens d'animation de Poppy Playtime, ça se sent. Ça manque dessous un peu. Cette tronche, bah, ça pourrait marcher, mais bon, ça a déjà été fait plein de fois. Hein. Et ça manque de. Ouais, c'est ce qui faisait le succès, malgré le prix excessif de Poppy, voilà. Et le 2, à mon avis, sera payant. Écoutez, c'est une petite démo gratuite en réalité, c'est même pas un vrai premier épisode. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mouais. Mouais, mouais. Bon, celui-là, ça va, la suite, je sais pas à quel point c'est un vrai jeu. Petites idées, non, c'était mignon, c'était mignon. Voilà, pour un truc gratuit, encore une fois, mais si le vrai jeu ressemble à ça et qu'il n'est pas gratuit. Allez, un peu de. On va se secouer un peu ou pas encore? On va faire attention. Intrépide Explorer. Qu'est-ce que c'est ça? Un jeu Unreal. On va pas y croire nos yeux parce que c'est Unreal. Je sais pas. Il y a un bateau, ça fait flic-floc. Je sais pas. Pas content, il a changé. Là. Si, si, si! Oh, mais c'est pas un vrai géant là. C'est pas pareil. Story. Ah, faut que je clique. On est en 1700, l'intrépide explorateur a levé les voiles vers l'océan d'Afrique. Il y a une idole en bois mystérieuse dans laquelle est gravée une rumeur et comme quoi elle est maudite. Ça a rendu tout le monde parano. Un comportement un peu erratique, ils sont devenus fous à cause de l'objet maudit. Et leur meilleur effort, le bateau a coulé au fond de l'océan. Et même dans la mort, l'esprit de l'équipage reste coincé à bord. Gardant le vaisseau enfoui et son idole pendant des siècles, toutes ces années. Ah oui, c'est vrai, c'est de l'exploration. On va explorer, c'est l'exorciste sous l'eau. On va mettre honteux, mais non, mais parce que c'était pas très bien. Alright, mate, on y va. Fais gaffe en dessous. Il y a des bestioles dans les profondeurs des abysses. Reviens pas les mains vides. Mais c'est en quelle époque là on plonge? Parce que ça a l'air très moderne quand même. Curse of the Obra Dinn, c'est ça. Ah oui, c'est genre vieux scaphandre et tout, quoi. Il fait des bulles en 2D. Oh putain. Ah oui, voilà. Alors. Ok. J'allais dire c'est trop rapide pour être dans l'eau, mais pour un jeu vidéo, c'est très bien. Ok, j'ai la flashlight, je peux pas sauter, je peux pas speed, je peux rien faire. Il y a un chat qui ronronne. Non mais ça fait pas ce bruit-là, un poisson, ça fait pas... Il ronronne, le poisson lune? C'est connu ça? BioShock de remake, tout à fait. Le poisson lui ronronne. Sachez-le. Tout gigantesque. Bah après, c'est les profondeurs des abysses. Hein. Ah, c'était un jumpscare nul sous l'eau. Mais les jumpscares sous l'eau, ça marche pas trop parce que tu vois, t'as fait pas de bruit et tout d'un coup, il y a du bruit, c'est bien. T'avais fait. Oui, je vois lequel en plus, ça me rappelle un truc aussi. Ouais. Gouzi gouzi le poisson, bah oui. Mais je suis pas retenu par un fil de... par un toyo pour l'oxygène, non? Ok. Comment je vais au bateau, là? Qu'est-ce que c'est le chemin? Je sais pas, moi. Faut que je me cache, faut que je peux pas faire grand-chose, en fait, quand t'as pas beaucoup d'éléments... de possibilités de gameplay, en vrai. Ah, mais là, je reviens là, oui, je reviens. Bah non, je tourne en fait. Turn around, baby. Et tu veux pas le ramasser, ça t'intéresse pas? Bien, quand même. Voilà, bah je peux tourner en rond, je suis content. Attendez, j'ai dû rater un chemin. Tiens, le sushi naturel là, avec son riz, là, MDA. On va passer peut-être par là. La chimie sauvage, hein, oui. Ou un poisson. Dans l'eau. Qui? Pas mal les poissons. J'ai compris la blague. Alors. Il y a des caisses. Quoi? Non, rien. Ah ouais, c'est vrai que vous savez plus ce que c'est. Vous voulez un gros crabe? Voyez, moi je suis crabe. Putain, la texture, des fois il a oublié de texturer ou c'est fait pour donner un style? Un style moche. J'avoue, je ne mange guère de poisson moi-même. Assez peu confiance dans la poissonnerie. Pousse pas dans les rayons chez Carrefour, MDA. Il y a toujours mon poisson en chat qui ronronne. Mon poisson chaglobe qui fait ronron. Ouais, ça y est, vous voyez, le jeu, j'ai déjà plus envie de jouer là.
Je suis déjà saoulé en fait, parce que putain, c'est un labyrinthe en fait, mais on voit rien du tout, c'est insupportable. 100% sous LED, hein. Mais là, je tourne en rond, je reviens. Putain, on peut pas se repérer là. Que vos mères soient prestement niquées. On peut point savoir où je me dirigeasse. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mon bateau? Une balançoire? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est... je suis revenu au point de départ? Bah, niquez-vous! Je suis revenu au point de départ, là où il y a ma balançoire pour remonter mon matos. Mais je peux rien prendre! Bah, je sais pas, il y avait des trucs, j'ai même pas pu les prendre. Et là, je peux tomber ou pas? Yes? Bah, yes, mais non, en fait, du coup, alors. Bon, on va essayer de voir ce qui se passe. Game over? Oui. Le plongeur a perdu, est mort dans les profondeurs. Ok. Comme ça, on sait. Comme ça, back. Quit. Voilà, quit. Maintenant, oui. Bah moi, j'avais vu une idole, mais c'était pas l'idole, c'était la tête de proue. Hein. Pour la tête de mort, hein. Ou la tête de nœud, ouais. Bon, allez. On repart. Alright, mate. Be careful down there. All manner of ghastly creatures that's the note. Et puis niveau level design, c'est pas clair hein. Où est-ce qu'on se rend? On n'a pas d'outils pour se repérer, pas de sonar, on a rien quoi. Puis on voit rien du tout là. D'ailleurs, il n'y avait pas de grillage sur les scaphandres. Hein. Désolé, je m'y connais en histoire historique, et non, c'est une belle grosse vide bien ronde. Comme dans les films, genre dans Tintin et le Rackham le Rouge. Poisson qui ronronne, ça me flingue. Et parce que les Dupont et nous pompons, MDR, vas-y, pompe. Lol. Je raconte bien. Mais vraiment, t'es sûr que tu veux pas ramener un petit... Tu veux pas ramener des trucs, là? Non, c'est vraiment, je ramène que l'idole, quoi. Sinon, on nique sa mère, je ramène rien. Alors, moi, je veux bien aller là. Mais, après, je trouve pas le chemin. Faut aller là-haut, mais comment je vais là-haut? How do I mount? I don't have the clue. Là, je peux monter là, hein, bah, tout simplement. Mais non, là, après, je peux plus, là, c'est coincé. Bon, bah, après, oui, je suis lesté, donc. Si, on peut grimper. Ah, bah, on peut grimper là, tout simplement. Je croyais qu'on pouvait pas. MDR, oui. Tout simplement, en fait. Voilà qu'avons-nous. Rien de spécial. Ok, donc je suis venu là, je suis content. Continue. Il n'y a qu'un seul chemin. On ne veut pas plonger dans les abysses. Le chat tracteur, le chat en deux agazons là. Ouais, non, mais de toute façon, je vois rien. Vous pouvez bien me faire des jumpscares gigantesques. Je vois que dalle. Comment ça se fait que j'entends des bruits avec de la réverb? Oh non, mais tu déconnes, on voit rien. J'ai pas de moyen de défense. Oh, on va te faire foutre. Non, je joue pas ton jeu, ça pue. Non, bah non, tu mets des ennemis, soit tu mets un moyen que je m'enfuis, que je les repère, que je les tue. Un des trois, mais tu mets pas genre rien du tout. Pouti. Non, mais je sais pas, enfin. Bon, on va jouer à Nox. C'est ambiance, tu sais, Stéphane. Escher. Ok, c'est Stéphane Escher. Mais non, c'est Escher, pas les échelles. Escher qui fait les échères. C'était nul, je confirme. Ça capture. Toi, un peu plus de son. Ah. Settings. Subtitle. English. Encore un jeu espagnol. Moult objet espagnol. Moult jeu, objet, n'importe quoi. C'est quoi, act? Ah oui, c'est quand j'ai déverrouillé les... Ok. Il y avait trois têtes, ils avaient l'air tristes. Alors, Nox, on y va. Quoique le son a l'air assez fort, je vois que le... C'est tout ta faute. Personne n'a rien à foutre de toi. T'es la raison de tous tes problèmes. T'es rien du tout. C'est seulement un rêve, non. Ah oui ou non, alors. De Boa Studio. Muy bien.
Ouais, ça va être genre Deeper Sleep ou... Non, pas Deeper Sleep, comment ça s'appelait Je sais plus comment ça s'appelait. Quand on était un petit enfant... Je peux... Oui. Et tout est un petit peu bizarrement proportionné, mais ok. Ah. La flashlight. On peut lire, s'il vous plaît. High School des cauchemars, 79. Je suis Freddy, votre... le professeur d'art de votre fille Gabby. Je vous en prie de venir, je vous propose de venir à l'exposition qu'en fera l'école. Faire le travail des enfants. Gabi est un de mes meilleurs étudiants. Elle est un meilleur... Ah non, elle non, c'est... Ah oui, elle, je sais pas, un grand art, un devenir d'artiste. Faut pas le rater. Gabi sera très excitée de vous avoir ici. Ok. Gabi, elle va venir. Tu veux prendre la flashlight, je t'en supplie. Signature qui dit fuck, j'ai pas vu. Signature, c'est fuck. Fais voir. Ah oui, il y a marqué fuck un peu, ouais. Look at the bois. Look at me, don't look at me, don't look at me. Okay. Ça aussi, c'est pas très original. Maintenant, tu es à moi, suis-le, suis-lui. Ah, oh, mais c'est nul, putain. Un peu cringe, hein. C'est vraiment très les écritures qui font peur d'enfants dans ce jeu vidéo. Ah, la pizza. Oh, la Nintendo NES. Oh, ça, c'est interdit, hein. Nintendo, il tombe dessus, tu es en prison. Heck up. Nintendo, il déconne pas, hein. La pizza. Oh. Acte 1, tout seul. Pourquoi t'es sorti? Retourne dans ta chambre, c'est le go back. Ah, tu connais Escher? Tu vois, j'avais dit. Et mauvaise, et mauvaise, sans mauvaise, d'où qu'elle vienne. Ah, ok, oui, regardez le sol, il fait. Et ça change la perspective, incroyable. Stop fooling around. Arrête de faire l'andouille. Alors, retournez faire l'andouille. Hop, ah, c'est pas mal fait. Oh. Ok, donc Gabi, c'est nous la petite blondinette. Y'a pour pas, il fait 10 trucs. Des Rubik's Cube. C'est de perdre du temps là. Est-ce que t'es seul? Je sais pas. Ok, donc les parents, c'est des queues là. Hein. Donne la dose et. Ça, c'est pour Limonès. Pour Dan Macaria plutôt. Ok, ok, ok. Oh, les marches, ok. Non, c'est pas mal. Hein. Marrant ça. C'est marrant, mais je suis perdu, pardon. Ah mais je suis reconvenu depuis le début. Putain, je suis vraiment une grosse merde. Bon, ok. Et hey, pour ma défense, c'est le bordel pour se retrouver. D'accord. Je suis de retour dans la chambre. Quoi? Il faut le petit placard. Attends, avec ma lampe. Ah mais je vais pouvoir modifier avec l'appareil saucisse là, l'appareil spécial. Press Shift. Oui. À quoi ça me sert? Attends, parce que... Non, avec le papier, je peux... Attends, genre... Je fais comme ça... Les Osis. Oui, bah oui, c'est là, mais c'est le lit, là. Alors, faut que je me mette comme ça. Attends. Si tu te mets... Là, et ça fera un truc. Oui, ça me met un peu automatiquement. Ok. Ouais, ça se fait un peu automatiquement, c'est bizarre. Oui, c'est ce qu'on dit d'Anne Macaria, c'est Escher. On dit depuis tout à l'heure, je fais les blagues sur Stéphane Escher. Je chante depuis tout à l'heure, il a pas la ref. Papier. Hein, oui, quoi? Il y avait un truc. You will never reach him. Ne l'atteindra jamais. Mais c'est high school, c'est pas le lycée normalement? Ah, ça serait bien qu'on puisse cogner dans les trucs et que ça va. Ils ont fait un effort. Ils ont fait un effort de. Ok, Gabi, yes, it is Gabi. F. Ah merde, j'ai quand même des mauvaises notes par contre. En maths, je suis nul, je suis pas matheuse. T'as suivi. Ouais, bah c'est cool si tu me suis. Ça te suit partout. Ça me suit partout. Ok. Alors c'est très joli. Exit, et là ça fait tix. Ah non, la tix est là. C'est par là la tix. Non, c'est sympa, mais faut faire quelque chose maintenant de ça.
Parce que là, on a eu l'effet waouh la première fois, maintenant c'est l'effet c'est quand que ça s'arrête, quoi. Qu'est-ce qu'on fait comme effet? Toujours nul en maths? Toujours nul en maths, pas de problème. Elle va me croquer le cul. Mais... Ah, voilà, c'est ça qui... Alors, c'est quoi l'image? C'est là où il y a tous les ch'tites navions. Les ch'tites navions, ils sont là, donc. Avec le casier qu'a... Voilà. Je suis bien, là. Non, c'est pas là? Voilà, hop. Ah oui, il faut faire... Oui, voilà, c'est ça. Ok, d'accord, oui, ouais, d'accord. Ça, c'est sympatoche, mais encore une fois, niveau gameplay. Mais c'est très joli, hein. Ah, des petites araignées en forme de chaise. Il faudrait qu'il y ait plus de trucs qui bougent. Ça. Give up. Stop looking for a way to find him. Arrête de chercher un moyen de le trouver. I'm... Alors, j'ai pas vu d'image avec ça. Waouh. Oh, mais il y en a des trucs qui sont préinstallés, ah oui. Ok. Ça va commencer à être dur pour mon cerveau. I'm following you, ouais. Ah non, comme ça. Oui, la, voilà, comme ça. Voilà, c'est bon là. Voilà, hop. Ouais, bah parce que je sais pas si c'est la culture. Non, dragon, mais... Je sais pas pourquoi il y a un accent comme ça alors que c'est pas un lieu italien, c'est un lieu espagnol. Voilà, pleure avec son petit robot, parce qu'elle était fan de robots. Moi aussi j'aime les robots, Gabi. Ah, et on arrive dans la zone qu'on a déverrouillée. Ok. Putain, ça fait mal au crâne. Meilleur... Ah. Ah, mais les chaises, elles se... Ah. Ah. Par contre, je me cogne un peu partout, c'est agaçant. C'est un peu... Enfin... Why are you always so impossible? Pourquoi t'es aussi relou? C'est un peu... Faudrait que le... Le truc bouge un peu. Il y a des œils. C'est un jeu sur des jeux. Non, c'est sur Stéphane Echer, je refais la blague. Belle ma veste de Calvienne. Ah, ok, c'est ça qu'il faut faire. Ok, pigé. Echer. Tu connais Echer? Il est pas cher, le jeu est gratuit. Ah. Et là, du coup, ça a ouvert un passage, mais je sais pas comment y aller, moi. À quoi ça me sert, ça? Ah, si, ça. Ça a ouvert la porte, ok. Putain, enfin oui, c'était pas évident que ça a ouvert la porte. Oh, pff. Ok. Oh. Putain, ils ont dû se faire turbo chier à faire ça. Quand vous faites du skateboard, c'est comme ça. Putain, ça fait mal au crâne. Ça, je peux pas le prendre. Oh, Gabi, elle est triste. Ça, je peux pas le prendre quand ça se fait tout seul. Boum. Ok. Je peux pas, oui. Ah, c'est très sympa le truc des tables là, comme des petites bestioles, c'est marrant. On va par là, hein. On le traumatise de l'école, hein. Science ou art? Why do you keep trying? You will fail over and over. Stop. Bon, en gros, c'est le drama. Ça se passe dans la pensée d'une petite fille qui s'appelle Gabi, qui est fort en art mais qui est nulle en maths. Et elle est dans un traumatisme où elle fait des cauchemars, on va dire. Un petit robot plipaplou. Elle aime bien les petits robots. Personne n'a rien à foutre de toi. Ah oui, tous ses parents, tout le monde dit c'est de la merde. Oui, je cherche him. Elle cherche him, on sait pas plus. Wrong way. Ah, pas le droit d'aller en école d'art. Oui, ok, d'accord. Ou aller en art, c'est pour les nuls, quoi. Pff, regardez-moi, moi qui suis un artiste, ça m'a amené sur YouTube. Je crois que c'est un peu la preuve que... Ah, mais ça m'a changé, le oui, donc c'était pas le... Les piégés. C'est qui ça? Ouf. Comme d'hab, hein, les animations là, c'est faut soigner un peu. Donc là, on a un ennemi maintenant, ça y est. C'est dommage, soigner les animes en fait, parce que les décors sont cool, mais là, le monstre là qui a été animé, c'était. Ah putain, puis les décors se ferment derrière moi. Run, alors je run. Oui. Je ne sais pas moi. T'es trop lent, il va t'attraper. Oh. Ah ouais, ça c'est cool, vraiment. Ouf. Mais y a pas vraiment de danger, si. Parce que s'il fallait éviter l'ennemi avec un système comme ça, pourquoi pas. Oui. Pourquoi y a un chargement maintenant? J'ai perdu. J'ai perdu quoi? En fait, je peux pas run, en fait, là.
You're too slow. It will catch you. Good for nothing. Ah non, c'est que je suis tombé. Attendez, parce qu'en fait là, j'ai pas bien pris la rampe là. Là, c'était un bug, mais je. Non, par contre, là, ça tue les fesses. Si on meurt trois fois, c'est bon. Hein. Faut pas que je rate la rampe. Too slow. Voilà. It will catch you. Good for nothing. Je vais où? Je vais où? Ah mais en fait c'est qu'il faut aller par là. C'est ça le problème. C'est que j'avais pas été au bon endroit en fait, c'est tout. Non, je peux pas commencer. Ah bah oui mais là. Now you must follow him and you must realize that he... Et pourquoi ça s'arrête et ça recharge comme si j'avais perdu? Et j'ai à peine eu le temps de dire qu'il fallait que je le suive, mais c'était le méchant. Mais arrêtez! Putain mais il y a un truc qui va pas ou c'est moi qui comprends mal là? Un game over sans m'expliquer, c'est bâtard là quand même, non? You're too slow. It will catch you. Good for nothing. Mais c'est vrai qu'en même temps. Ok. Art class, ah oui, ok. Now you must follow him and you must realize that he left because of you. Il faut vraiment que je le suive? Mais pourquoi ça fait game over quand je le suis pas? Et c'est... Ah oui, c'est que le décor en dessous s'efface et je suis tombé. Mais putain, ça peut pas être plus clair? C'est un peu débile de me faire suivre le monstre. Ah non, c'est un peu embêtant. Ah merde, c'est trop dur! Bon, là je comprends. Oh, allez doucement les gars, laissez-moi une petite marge de manœuvre. Et puis surtout, me faites pas recommencer depuis le début. Ah non, c'est pas tout à fait depuis le début. Mais là, tu me tues alors. Faut que je te colle au cul. Hein. Ah non, en plus! Putain, mais c'est nul! C'est nul parce qu'il faut que je le suive, mais pas trop près non plus, mais quand même vraiment pas loin. Oh, c'est. Non, là, c'est mal branlé, les amis. Je doute pas que symboliquement ça veut dire quelque chose, mais en vrai, ça a aucun sens. Hein. C'est un jeu où faut que tu suives le monstre, en fait, oui, mais en fait, non. Bah là, y a plus la musique aussi, ça veut. Bon, c'est moins dramatique, là, c'est juste on s'emmerde. Alors, on va faire la musique. Pouit, 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 pouit. Faut que je te suive. Non, je le suis. C'est bizarre. Mais je suis du coup. Ah oui. Tu vas me tuer là? Il est coincé. Est-ce que je te gêne? Oh là. Oh là. Mais t'es où? Bro? Ah, faut vraiment que je me cache en fait, c'est ça? Oui, vous avez raison, si ça se trouve, faut vraiment pas qu'il me voie en fait. Il y a des petits soucis, je crois que ça a full bugué. Hey, quand je suis là, je peux passer, mais vite. Ben non, parce qu'il me tue! Mais comment je fais? Je sais même pas qu'est-ce que c'est trop le monstre. Bah, c'est. Enfin, c'est pas. He despises you. He will always look for another way. Ben oui, mais. Voilà, c'est ce qu'il dit, il te despise, il cherchera toujours un autre chemin. J'ai pas le temps de passer en fait là. Je comprends pas. Je peux pas me faufiler. Dès qu'il va, je vais passer dans son dos, la plateforme va disparaître avec lui en fait. C'est lui qui fait apparaître la plateforme. He despises you. He will always look for another way. Il va pas plus loin en fait, c'est ça le problème. Ah, y'a rien. Bah oui. Comment je fais? On peut fouiller. A priori, on n'est pas en train en mode de crever. S'il doit y avoir un indice, attendez. Faut que je me déguise, un truc comme ça. Oh, c'est vraiment stylé en vrai. Ah, c'est quoi ça? Faut un crayon. Mr. Freddy and Gabby. Alors Ferdi, c'est mon truc de dessin, ok. Carte sur le mur.
là, ça. Ah oui, mais... Il va pas, c'est ça mon problème. Mon problème, c'est que lui, il y va pas là-dedans, il s'arrête. Je veux bien le suivre, mais il y va pas. C'est ça que je piche pas, tu vois. Oui, il avance pas plus loin que ça dans le truc d'art. Et... bah, je sais pas quoi faire. Bah non, parce que si je le colle, il me tue. Tu l'as bien vu tout à l'heure. Il me fait... il m'étrangle. Oh, mais faut... mais c'est bâtard. C'est vachement bâtard, parce que vraiment, ça donne vraiment pas envie de le faire. Oh, mais vraiment, c'est stupide. Merde, non, je suis désolé, c'est très mal... c'est très mal fait, c'est très mal fait. Ah. Ah, vite, vite, vite. Et lui, il passe à travers les tables et tout. Il triche. Ah, là, c'est bon. Bah oui, ils ont dû mettre la soluce sur le mur. Puis surtout, c'est très mal fait parce que tu peux pas prévoir qu'il va y aller parce qu'il faut que tu le suives. Mais quand tu l'observes pour savoir quoi faire, bah il y va pas. Tu te dis, c'est pas ça. Ouais, ils ont mis la solution, mais c'est en contradiction avec ce qui se passe à l'écran. C'est pas... non. Il y a des gros soucis de game design. Et c'est même pas dû au système où tu te balades dans tous les sens. Il y a des trucs plus basiques. Qu'est-ce que c'est ? 5, 6. La saucisse. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Ok. Incompris. Je comprends pas ce que je fais, je vois même pas bien en fait. C'est quoi ça ? Je sais pas. Oh. Wow. Je sais pas, il y a une espèce d'enchevêtrement de trucs, mais... là, c'est dur à reconnaître, les gars. You know you can't find him here anymore. C'est mon prof qui est mort ? Il y a un truc, là. Ok, il y a une porte de classe. Alors, je peux aller là. Ouais, attendez. Wow. Bah, c'est grave, vu que c'est quand même le level design de base, c'est chiant. C'est quand même un peu chiant, moi ça me... ouais, m'embête un peu. Ah oui, il n'y a qu'un sac à dos, c'est ça. Attends, mais j'arrive pas à me mettre dans le même sens. Voilà, comme ça. Si, il a l'air de vouloir, là. Voilà. Paf. Ok, alors je vois pas l'autre truc, mais ça doit être pour plus tard. Okay. Ok, ok. He will not act different just because he faces your emotions. Il pas he will still look for another way out. Encore lui. Je suis hein, le bro. I'm following you, ok. Ah bah. Oui. Mettez pas la solution ce coup-ci. Attends, il va sûrement revenir. Je suis coincé, je suis coincé. Ah oui, il s'est épé. Ah ah! Ah oui, je peux pas le suivre là, ok. 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 Rien compris. Est-ce que j'ai le temps de passer ou quoi ? Non mais je peux pas aller là en fait. Et je crois qu'il me manque un dessin. Hein. Faut que je trouve un moyen de le faire. De le faire aller, mais. C'est celui que Da. Ah oui. C'est sur Self hier, ouais. Aucune. J'ai pas compris, là. Je.
Je vois pas comment le faire changer de voie là. Ben, je sais pas parce que là ces chemins là servent. Ah bah attendez. Press shift plus space. To use the demi. Mi demi. C'est-à-dire. À quoi ça me sert? Ok. Quoi? Ah, et là je mets le demi. Enfin, ils sont venus de me dire exactement où faut le mettre, quoi. Ah, pardon. Je vois pas ce que ça va faire, mais ok. Là, il va faire demi-tour. Et mon demi, il est où? Ah non, entre les deux. Ah oui, j'ai compris. Il se coince entre nous deux, c'est ça? Il n'y a plus savoir où aller. Oh putain, c'est nul! Mais la mise en scène! Elle est où la mise en scène? Tu pouvais pas faire. And you are the one to blame. J'ai perdu du coup? Mais. Ouais? Bah du coup je fais quoi? Dégo, je me... Ah ok. Putain je... Mais merde. I will not let you go that easily. What the fuck? Non, lost est perdu. Run baby run. Ok, vous êtes sûr? Gnagnagna, je me souviens, je sais pas quoi. Ok. Ok, c'est un mur avec une table avec mon dessin, ok. Mais le méchant me poursuit là. Bon, j'ai quand même raté un truc à un moment. Un casier. Est-ce que c'est un indice? Est-ce que c'est sus? Ah, c'est sus. Vis, ouais. Pas sûr ça. Mais moi je vais être trop paumé, faut pas me faire ça par contre. Bah non. Non mais là je retourne. Sus. Ça c'était là où ça s'est refermé derrière moi. Bon, la musique est encore partie, on va faire. Les osis. Oui, mais là je reviens là, ouais. Je crois que j'aurais pas dû. Enfin, l'image qu'on a ratée, je pense que j'aurais vraiment dû la faire en fait. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis coincé de là. Ah oui, il y a quatre chemins, mais là ça me retourne à droite. Donc là je tourne en rond. Ouais, donc là ça sert à rien. Bah si, mais moi j'allais à droite, mais faut pas aller à droite en fait, si. Non, faut aller à droite, non, parce qu'à droite ça me ramène. Quoi, dit pouet, Bénédic. Ah bah non, si, j'étais pas là. C'est dur quand on est nul pour se repérer. Bon, vous connaissez Nao, bah moi c'est pareil. Non mais là, bro. Non mais moi je peux pas, ça c'est trop dur pour moi. Hein. En plus, je peux pas me baisser. Oh là là, non mais moi je vais jamais y arriver. C'est un labyrinthe avec un monstre et... Oh. Non mais jamais je t'arriverai moi ça. Là je vais boucler là, je sens. Bah tiens, si t'allais niquer ta mère. Ah oui. Trace au sol, oui. C'est ses traces de pas, je crois. C'est son circuit. Et il y a un endroit où il boucle, là. Espèce de truc transparent, c'est là où il passe pour boucler. Alors, il veut me tuer ou il veut pas me tuer?
Ah, là, il a pas l'air de... Ok, mais... Et là, ouais, mais là, c'est un faux truc où je peux pas aller, hein, je pense. C'est pour lui, mais... Il va revenir, là. Putain, mais... Mais non, mais je... Non, y'a plus de demi. Y'a plus de demi, y'a plus de trois quarts. FDR, t'as compris? Il faut que je le suive ou quoi? Oui, mais s'il pop. C'est... Arrête, enlève ça. Bon, je te suis. On va voir ce qui se passe. Putain, faut pas que je le rate parce que. Après, je saurais pas où qu'il tourne. On va bien peut-être faire quelque chose. Bah ouais, mais non, j'ai jamais le temps. Je sais pas. Ah! Ah bah attends, mais je peux peut-être... Attendez, comment... Ok, bah j'en ai que deux, j'ai ce truc là, mais là ça me sert à rien ici, on est d'accord? Oui, il faut bouge-toi, tu vas crever là, t'es sur le chemin. Bah je sais pas du tout quoi faire et ça va signer notre arrêt sur ce jeu parce que... Le jeu est vraiment incapable de décrire facilement ce qu'il faut faire. Hein. De façon un peu instinctive, c'est... Bah si j'ai le demi là. Ah bah si j'ai le demi. Ok. Je sais même pas comment je l'ai fait apparaître. J'ai même pas fait gaffe. Alors du coup, qu'est-ce que j'en fais du demi? Je mets où? Devant la porte. Non, parce qu'il est derrière moi là. Attends. Bah oui. Il est à moitié rentré, puis après il est pas rentré. Alors, moi je savais pas. Ah, c'est pas assez clair. Il... Quand il me voit, ouais, je sais pas. Même ça, c'est pas très bien expliqué. Hein. Super premier degré. Oh. C'est par où? Ah, c'est là, je crois. C'est là, hein? Non, pas du tout. Ah non, là, c'est. Non, là, je sais pas ce que c'est. C'est plus. Ça a changé. Non, mais je sais pas, c'est moi qui. Tu tournes ou pas? Merci. Parce que même si je mets le demi face à sa porte là-bas, ça va me servir à quoi? C'est pas ça. Ah putain! Tête de chiasse. Vite parce qu'il va arriver de là, oui. Pas du tout. Je sais plus, je sais plus. Genre là? Mais non, tu vois, je... Je bloque les deux couloirs. Je peux pas bloquer deux couloirs, je peux en bloquer qu'un. Moi je crois il me tue hein. Là quand c'est sur son chemin il le tue en fait. Ah non. Si je me mets là il... Ouais non attendez je suis coincé, je sais pas où le mettre. Je sais pas où aller. Peux plus. En le suivant derrière, ouais. Moi je sais pas s'il fait demi-tour avec moi. Comme ça. Oh putain, c'est très bancal, je suis désolé. Hein. Le concept de le monstre te tue, mais faut quand même jouer avec, ça me stresse. Hein. Je trouve ça très, très mal fait. Hein. Putain, le bol. Travaillement de transfert, accordé selon la loi éducation, découle des cauchemars que le professeur Ferdi approuve le transfert à une autre école.
Ah, le prof a été transféré. Il a été viré, c'est de ta faute. Les tabourets tremblotent. C'est toujours les choses pires. Just surrender. Allez, arrête, laisse tomber, give up. Oui. Let your guilt consume you. Je pouvais pas passer par la porte, moi, j'étais coincé là. Ta culpabilité te consumait. Dab, mais non, pas Dab, je suis mort. Mais quel rapport? Quel rapport? Ouais, je fais des cauchemars, quand même. Il manquait pas un bruitage. Ah, crac, crac, crou! Alors, il manque la moitié des bruitages, quand même. Il manque de la musique. Et il manque aussi que je comprenne quelque chose. Game over, il y a mon petit robot. Ça, c'est important. Je recommence pas le jeu depuis le début, hein, je vous le dis. Quoi? Je retourne me coucher? Ah, mais c'est vrai que j'étais dans le monde des cauchemars. Non, mais alors, je voulais pas vraiment faire ça. J'aurais voulu fouiller un peu la chambre d'abord. Ok. Ok. Alors, j'aurais dû fouiller la chambre, je pense, mais ok. Le jeu est long quand même, hein. Toujours ce truc bizarre, hein. On peut pas le ranger, le bouquin, ça me bouffe tellement de vues. C'était ton coin secret, hein, c'est ça? Je sais pas pourquoi. Ah, c'est là, c'est là. Ah oui, non, c'était. Ah. Voilà, j'y suis là. Non? Là, quand même. Ah là. Non? Bah si, je le regarde d'en dessous, je suis au niveau du sol, c'est complètement là, hein. Et normalement ça c'est... Attendez. Non, c'est pas ça. Genre là. Non, si, comme ça. Bah non, là je suis dans le mauvais côté. De toute façon je peux pas aller plus loin donc... Trop de bois à gauche manque. Bah à gauche c'est la rambarde. Je regarde de plus bas comme ça. Non mais normalement en plus il se cale à moitié tu vois. Voilà, je suis pas si mal hein. Plus loin. Ah ça y est. Le problème c'est qu'il a pas voulu le faire là. Ben là en fait ça se cale un peu tout seul, vous voyez, ça se remet en place tout seul, c'est pas moi qui... Oui, ben là, j'y suis là, je peux pas être mieux placé que ça. Hein. Ah putain, oh, qu'est-ce que c'est relou. Oh dégage toi, je veux plus te voir, t'es pas beau toi. Non. Ok. Come to Gabby's room. Lol, ok. Ah, c'est quand même pas mal ambitieux, mais... C'est un peu trop. Et puis au final, les trucs échers servent à pas grand chose au final. Pas de rendre malade du cul. Hein. Bah vas-y. Oh là. Oh non, mais là, j'y pep là. Oh, put, step up way. Ah ok, on y est, on y est. Ok. Alors, hop. Ah mais je peux pas. Oh. Are you sure about what you're going to do? Ah, je suis bien là. Bah, là je suis parfait, regardez les tableaux. Mais c'est parfait, à moins qu'il faut que je place les bouteilles. Non. On a des chances. Non, mais là, c'est... Enfin... Ah, faut que je change la couleur, c'est ça? Quand on est comme ça? Non, parce que la couleur était pas... Mais attends, mais pourquoi? Truc que je comprends pas dans le jeu des fois. Là, je peux pas être mieux, hein, bro. Là, c'est genre parfait, tu vois.
Non, on dirait que le jeu il se déclenche pas là, il y a un truc qui va pas, c'est peut-être la lumière effectivement. Qu'il faut que j'aille bidouiller, attendez. C'est bizarre, il y a plein d'autres endroits où aller avant. En même temps, le jeu il nous fait pas trop interagir avec grand chose en général. Ah, la maison a été saisie apparemment. Il n'est plus là. Mais moi je suis là. Je ne sais pas, Micheline. Il va y avoir un truc à faire. Ah. Envie de BG. Hein. Attends, alors attends, on peut aller là. On peut mettre comme ça. Là, il y a la télé, ok. Je peux revenir là, mais pourquoi faire? On ne sait pas. On peut monter la cave. Ah, ouf. Ah non, c'est un mur. Ah, mais il y a l'air de pouvoir... Là, il y a quoi, là? Ouais, je reviens en arrière, ok. Stomp. Ok. Oui, là, je reviens au début. Bah, je sais même pas si ça va. Je ferai des couleurs. Je parle des couleurs, mais je vois que ça. Ah, faut que je me... Ah non! Faut peut-être que je me dessine sur le mur avant. Moi, je croyais que c'était pour faire genre... Mais le truc, il va tomber à chaque fois que je viens. Enfin, c'est débile, non? Bref. Je peux pas gribouiller sur les murs, on est d'accord. Encore une feature qu'ils auraient oublié de me parler. Oh putain, ça fout la gerbe. Ça fout tellement la gerbe. Après, hop. C'est où le dessin? Peut-être, oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Et je peux rien bouger, hein. Futur... Oh putain, en VR. Oh. Alors là, je... Faut que je m'assoie. Ah, mais un demi. Ah, tu crois? Oh, c'est vicieux si c'est ça. Si c'est ça, c'est un peu vicieux quand même. Ouais, mais... On va voir. Ah oui, mais non, enfin, ouais. Un demi, ouais, si, l'idée était bonne, mais... Bah là, pour moi, je suis bon, hein. Non, non, c'est juste que j'étais un millimètre mal mis, et du coup, que le jeu, il voulait pas essayer, quoi. Ok, d'accord, bah super. Dans tout 4000. C'est quoi, c'est moi plus grande en fait? Ah, bonjour. Ah oui, ah tu connais les mannequins? Oh. Ah non mais là c'est... Ah mais c'est abusé, parce que... Non mais là madame, vous trichez. Non mais là c'est pas possible. C'est pas possible parce que l'angle de vue il change automatiquement quand je marche. Oh, me faites pas refaire ça, ça n'intéresse personne. Oh non, là vous êtes très mal placé les... Le système de checkpoint, hein, ça fait déjà plusieurs fois qu'on doit se retaper les trucs, c'est pas fun. Hein. Non, c'est par là. Ouais. Are you sure about what you're going to do? Faut se mettre légèrement à gauche, putain. Allez, on se casse. Mais on se casse où? Enlève ton dessin de mort, moi je vais appuyer sur shift pour courir. Je sais pas où faut aller, je sais plus. Hein? Je vais où là, je reviens? Je suis perdu. Allez où? Non mais je... au secours. Attendez. Je suis perdu de fou. Je comprends rien. Non bah non, justement, c'est là que je vais aller, oui. Ah non, mais il m'autorise plus à aller là en fait. Ah oui, mais des cartons, avant je pouvais aller là. Mais non, je veux pas aller là. Je vais aller où? Je sais plus où je vais aller. Je suis perdu. Ok. Je sais pas où je suis là. Mais si, je reviens là, mais je veux pas revenir là moi. Mais elle est où? Je suis incapable de me repérer dans ce jeu.
C'est beaucoup trop dur. C'est pas. Elle est là ou pas? Bah, tu crois que je l'ai pas fait popper, je suis parti trop vite. Du coup, ça a pas vraiment lancé la séquence de Scary Movie. Si? Non, mais il y a un problème, c'est que avant je pouvais changer de pièce, mais là. Attends, mais ça. Espèce de scintillement là-bas? On sait que ça bug. Je suis paumé. Mais je peux pas y arriver à ce couloir, j'arrive pas à retrouver le chemin. C'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, mais j'y arrive pas. Parce que je crois qu'il me rajoute des cartons où il y en avait pas avant. Bah non, c'est là en fait. Bah oui, tu vois, regarde, ça me ramène encore dans la salle. Oui, non, en fait, c'est ça. C'est que ça a changé, tu vois, des deux côtés, c'est le même truc en fait. Alors qu'avant, non. On est bien d'accord, hein. Du AVR, la porte à côté. Oh là là, ouais, non, là. Là, il faut quand même. Bah, falloir me parler français avant. Hein. Parce qu'au bout d'un moment. Là, c'est pas possible. Ah, si, ça y est, on peut. Bah, si, en fait. C'était... Ah, bah, c'était TP ici, en fait. Moi, je sais pas ce que j'ai foutu à me paumer. Ah, ok, j'ai passé de dos. Ah non, c'est. Si même ça, ça devient désagréable à faire. Ok, il y a l'orage. Ça, devient... ça commence à ramer aussi. Thérapie de coupe, c'est ta faute, d'accord. Oh, win-win, mais au pif-pif, hein. Chier le mannequin. Ah oui, d'accord, bah c'est bien, rangez-vous. Oh, Sam! Là, on voit son ombre, du coup, j'ai pas envie d'y aller. Voilà, il y a une zone où elle va me poursuivre, là, 100%. Ah, mais j'ai tourné en rond. Mais putain, j'en ai marre! Au chat, non, non, quand même pas. Sam! Dessin d'une table et d'une lampe et un couloir. Bah avant que je retrouve ça. C'est pas ça? Si, ça ressemble là. Ah oui, coup de bol. Turbo chat. Là pour le coup tu peux le mettre. Ouh. Ouais mais le monstre il est... C'est pas là. Oui j'ai vu qu'il y avait mannequin mais... Alors ça y est, ça recommence. Oh, encore falloir jouer de la pupette là. Tu viens là? Non, il vient pas là. A priori, il n'y a pas les traces ici. On le suit. The Swiss. Ah, il fait crap quand même ce jeu. Il faudrait que je trouve l'endroit. Oh! J'ai que ce dessin là. Ah, ok. Typico. Je me pousse. Ok. Je vais passer derrière quand il va venir là du coup. Look behind you, I said. Look behind you. Mais je croyais que c'était pour faire jour. Et il triche parce qu'il s'en va à droite. Je croyais qu'il sortait pas de son petit chemin, moi. Genre j'ai été trop long. Le dessin qui progresse, tu veux dire, c'était ça? Oh, ça m'insupporte de pas pouvoir sprinter, je te jure. Ça, faut que je me speed, c'est tout. Je me dépêche, on va suivre le chemin. Peut-être parce qu'il y a un mannequin. Ouais, ouais, ça indique le mannequin qui va arriver, mais... Ah mais je suis... Mais il m'a passé devant quand? C'est ça qui progresse vite du coup. C'est bizarre parce que moi je peux pas trouver le chemin avant lui. D'ailleurs on repasse devant. Mais attends, il est où le chemin? Mais c'est où faut aller? Je suis perdu. Ah c'est là, merde. Pff, c'est à droite du... D'accord. On va recommencer. Là j'ai compris. Look
behind you. I said, look behind you. Et comment tu fais là? Ah, je sais pas pourquoi le mannequin il vient pas. Ah, du coup là ça va être bon là. Ah, bâtard! Bah oui, mais comment on fait? Comment je peux faire pour qu'il bloque en fait? Ou alors faut que. Ah bah non! Il est dans l'autre sens. Ah, quand il vient d'ici. Ouais, c'est quand il vient d'ici en fait. Je crois qu'il y a un bug, mais c'est pas grave. Ah ouais, elle est là. Okay, quand il vient d'ici... Non, ça va pas marcher non plus. Non, ça va pas être possible. Ok, bon, c'est bon, de toute façon... Hein. Bah, je sais pas où il est, mon demi, je sais pas où il est. Bon, ok, on va crever, plus vite. En fait, je sais pas trop comment faire parce que... De demi avec le suite. Le suite, c'est quoi le suite? Attends, faut que je trouve où est la porte déjà. Parce que moi, je suis très con. C'est où? C'est là qu'il est le dessin. Ok. Parce que quand il vient là, dans ce sens-là, en fait, sinon il va faire demi-tour sur son chemin, tu vois, dans ce sens-là. Et en fait, le bâtard, moi ce que je sais, faut que je... Ouais. Et il va venir là, après donc je le laisse là. Et faut que je me dépêche, ouais. Attends, j'ai une idée, mais je suis pas sûr que ça va marcher cette histoire. Là, ça va marcher. Mais non. Mais il est où? Il est passé où? Bah non, ça va pas marcher. Mais bon, bah on va crever. Ça aurait dû marcher, non? Il est peut-être passé par le chemin et j'ai pas eu le temps de le suivre, tout simplement. Faut mettre genre là, tu vois. Merde, il était dans le bon sens du coup. Quand il va arriver là, il va repartir là. Attends. Non, j'ai fait une connerie là. Attends, mais c'est pas bon. Parce que si je fais ça. Ah ouais, si je le bloque au mauvais endroit... Ah mais je l'ai pas pris dans le bon sens, je suis quoi, j'arrive pas à réfléchir. Ouais, je l'avais mis comme ça. Bah... Non mais me dites pas couloir de gauche machin, ça dépend tellement dans le sens auquel je regarde, et puis de toute façon ça, je sens que c'est quand même très bancal ou tout ça. Hein. Là déjà je sais déjà plus quoi faire. Ah, c'est bon. On va tenter un autre move. Parce que là, oui. Non mais là ça va pas aller non plus. Ah putain mais c'est ça, c'est que... Ouais non en fait... Ah non il suit le chemin là en fait. Mais il va où après? Il est où là? Salut Brandon, bonne année. Ah mais il est plus là.
coup je peux plus jouer là. C'est game over. Bah super. Ah oui bah il s'est barré. Et nique ta mère. Oui, il fallait juste le suivre. Ouais, y'a plus qu'à crever du coup. Super. Eh bah c'est cool. J'ai cassé le jeu encore. Et ça devrait pas être look behind you là depuis tout à l'heure. Oui, j'ai tout cassé. Ça a tout cassé. Ça a même cassé le monstre. Bah c'est cool. Leur bataille a encore tout cassé, MDR. C'est bizarre que ça casse tout, parce que c'est juste j'ai pas eu le temps de le suivre. Les mecs, ils ont pas prévu ça. On peut profiter de la musique. Pouit, 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 pouit. Et comment je fais? Ouais, ils y ont pensé quand même. On est dans les backrooms. Aïe, aïe. Il faut juste que je le suive très vite, en fait, tout simplement. Et je croyais qu'il allait se faufiler par le petit couloir, mais non, c'est... Oui, en fait, non. Ouais, avoue que c'est spécial, hein, comme système, quoi. Non, attends, c'est là qu'il faut que je me mette. Attends, je suis pas prêt, vite. Ah. Ah. Putain, il faut pas se louper, sinon c'est game over, quoi. Mais putain, bordel de merde, c'est un peu chaud, non? Oui, même pas. Attends, tu... Ah bah là, j'ai pas le temps. Push. Je push. Non mais c'est le challenge, c'est très mal foutu. Push. Je push à fond. Pusher ne sert à rien pour l'instant. Ok. Ah bah, d'accord. On va le faire. Hein. Mais trop facile à casser. Bah, en fait, ça a l'air compliqué, mais c'est bizarrement basique parce que comme il n'y a pas de trace au sol, comme quoi il va vers la porte transparente là. On va jouer à un jeu avec Ken. C'est stressant les. Bonjour. Faut monter les marches. Petite marche, petite marche. Et la porte. Oh putain, c'est fucked up. Oh. Mais c'est un truc à quatre côtés, ok. Wow, the fuck. Wow. Faut que je regarde dans l'ordre. Et après, elle monte là. Ah, il faut que je la fasse avancer, c'est ça? Il faut que je la regarde. La la la, je comprends pas. Oui. Ah mais ça va être très compliqué en fait là. Tu veux pas un demi toi? Non, t'as vu c'est un demi. Alors attends, attends, on va mettre un autre plus loin. Non, elle veut pas de mon demi. Non, genre j'ai pas le droit d'en mettre un quoi. Ah oui, il est cancel auto... Ah oui, d'accord. En fait c'est un peu casse-pied parce qu'il y a quand même beaucoup d'angles de vue où je la vois pas. Puis il pourrait pas m'expliquer, enfin... Oh, c'est quand même très mal expliqué. Tu sens que c'est pas tout à fait, des pros. Mais à quoi sert le push aussi là? Va dans le couloir et attire-la au fond. Non, mais le problème, c'est qu'à pop que... Oh, je pense pas. Je peux pas passer à côté d'elle après. Même si je l'attire dans le couloir, je peux pas la frôler de côté et puis... Non, non. Puis surtout qu'elle va... Enfin, non, faut juste que je me dépêche et que je connaisse l'ordre des... Ouais, je fais pas claquer les portes, on va dire que c'est... Ça se fait tout seul. Il faut que je la trigger quand même. Donc, ok, maintenant je sais ce qu'il faut faire. Attends, ça a pas validé, ça a pas fait le sting là. Si.
Vite, vite. Oui. Comment tu veux que j'y arrive en vrai? Bah oui, mais là quoi? Ah, le push, le push! Ah oui, j'ai compris. Je crois qu'elle est au push là. Attends, je... Non, je suis pas à côté! Mais en plus, ça m'attrape devant, je suis de travers. Ouais, la musique, c'est moi qui l'a fait. Vous le voyez pas, mais je ventriloquise la musique. Là, je vous le fais voir un peu. Bah oui, depuis tout à l'heure, il n'y a pas de musique, alors c'est moi qui l'a fait. Avec la voix, vous savez, de coffre un peu comme ça. Ça va pas déclencher tout de suite, ok. Joli, t'as vu, ouais, voilà. Juif ventriloque. On est tous les deux ventriloques, ventriloques. Alors, on y va. Je sais plus où c'est, moi, après. C'est où? C'est où? Bah, c'était là. Voilà, ça va. Ah, j'ai pas le choix en fait. Hein. Là, faut que j'aille, je pense, au push alors. Attends. Attends, mais. Mais y'a un autre passage? Mais je savais pas! Quoi? J'avais même pas vu. J'avais même pas compris que derrière moi, il y avait un autre. Moi, je voulais passer faire le tour et retourner au push de l'autre côté. J'ai rien compris. C'est cringe ça. Oui, 4 miroirs et après je suis revenu moi-même dans le miroir. Bon, ça s'arrête quand? En vrai, j'ai envie que ça s'arrête. Je suis pas très intéressé là en vrai. Ça commence à me saouler en fait. You miss him, don't you? Il te manque. Ah, le prof, j'ai fait des trucs. C'est celui-là. Tu cherches toujours les fantômes. Il est parti là. Zwiz. Est-ce que je vais lui manquer? Stupid. Tibet, slow. Ouais, mais je vais voir après. Eh ben oui. Attends. Ok. Quoi? Et comment je prends? Putain, c'est insupportable. Ah, ça en fout. Je vous jure. Ah mais non, mais si, c'est fait exprès. Ok, fallait que je fouille comme ça. Oh putain. Puis ce putain de cahier à gauche là, tu veux pas l'enlever? En vrai, je pensais même pas... Ah bah tiens, c'est un truc de l'échelle. Je pensais même pas arriver là de cette façon. On fera un endroit avec une petite loupiote. Ah oui, genre là. Non, y a pas de lampe là. Attends. Oh. Ça va? C'est juste avant un petit truc. Ah bah c'est là? Non, c'est pas ça? Il y a une petite table basse là? Il y a une lampe normalement. Ça ressemble, non? Avec les cartons et tout. Ah c'est ça. Ça a changé quoi? Ça avait une table. Bah c'est cool. Cimer. Bon ça doit amener ailleurs j'imagine. Non? Bah non, ça sert à rien. Si? Mais ça me ramène au push. Enfin, messieurs, dames. C'est un autre push? Non, ça m'a mis à l'envers du push, oui, mais quel intérêt? Quel intérêt? Je comprends pas bien. Parce que le truc pointé dans cette direction, la logique veut que ça change un truc dans cette direction. Non? Oui, c'est une œuf déchire. Oh, y'a pas besoin de regarder. Du coup, là, ça... Bah oui, non, là, ça n'a rien changé, de fait. Si, ça a changé. Oh, d'accord, ça a changé des trucs, je sais pas.
Oh, le PC, il meurt. Ok, là, ça gribouille le visage de la petite fille. Ici, ça gribouille toujours le visage de la petite fille. Et ici, ça gribouille le visage du petit garçon. Non, petit. À deux mois, là, c'est moi. Là, j'ai rien d'autre. Non, mais le backroom, ça n'a rien à voir avec Escher. Beaucoup plus basique, les backrooms. Mais là, c'est infini, en fait. Je sens bien que c'est pour ça que c'est le PC qui rame, mais... Qu'est-ce que je dois faire, du coup ? C'est... Encore une fois, j'ai pas beaucoup d'interactions possibles. Hein. Ah, bah putain, mais tu peux pas les mettre plus... Ah, bordel de merde. Alors là, il y a quoi ? Il y a le lit... Voilà, il y a la tête de petit garçon, non ? Ouais, mais là, l'angle est pas... Bon, c'est peut-être pas ça. Il y a pourtant la bonne tête, là. Là, c'est moi, c'est pas bon. Là, c'est moi, c'est pas bon. Non, c'est une autre fille. Oui, bah, je vois bien qu'en haut, il y a autre chose, mais il y a une espèce de tête de pirate. Oui, il y a trois têtes même en tout, mais en faisant le dessin en bas à gauche, il est jamais bon. Bah, il y a que lui, c'est le dessin du gamin, mais... Tu vois, c'est pour ça. Sans le dessin en haut, c'est autre chose, et le dessin en bas à gauche, c'est autre chose. Une espèce de tête bizarre en bas à gauche. Bah ouais, c'est celle-là la tête, mais... En fait, c'est les têtes qui tournent en boucle, il y a la tête du garçon... Il y a une autre tête de garçon, là. Attends, je... Ah non, mais c'est cache... Ah, en fait, c'est la même porte, mais à chaque gribouillis, ça change, c'est ça? Oh, c'est qu'il a bugué. Ah bah... Quoi? Quoi? Ah, faut que je le fasse à l'envers, c'est ça? Rien. Ok, donc là j'ai le bouquin, mais c'est pas le bouquin que je veux. Ok, donc quand je le fais à l'envers, ça change un truc. Ok. Mais par contre, j'arrive jamais à voir le dessin que je veux là. Bah oui, il me le fait jamais, vous voyez? Il me fait jamais l'espèce de dessin bizarre. Ben non, il me rechange, je comprends rien du tout. En fait, peu importe le sens, je crois, c'est juste des cycles. Ça fait cheveux longs. Petit gars. La petit gars, je veux le garder. Ça, ok. Il est presque. Mais maintenant, c'est comment je change l'autre dessin, en fait. Ah bah, comme ça. Je ne comprends rien à comment est-ce qu'on change les dessins. Mais on va y arriver. Voilà. Cherchez pas, c'est comme ça. TG, c'est magique. Encore une fois, hein, le jeu est vraiment pas clair sur comment faut faire. Mais comme je suis moi-même un pur gamer trop fort, je trouve les solutions. Histoire de petit garçon maintenant. Je n'ai pas le rapport, mais... C'était même pas la tête de notre héroïne. Win, 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 gros cerveau, tout à fait. Le jeu est quand même très long, hein. Peut-être trop long pour son propre bien, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça sent... Oh, ça sent la zone qui va me saouler. Moi j'ai envie... On va finir avec le jeu de moto. Puis on va s'arrêter là, parce que ça commence à me pomper. Il n'y a rien à comprendre. Toute ta faute. I'm sorry, désolé fils, je pars, je ne te demande pas de comprendre maintenant, j'espère que dans le futur tu pourras comprendre. Ok. Gabi ? Ah mais c'est un garçon Gabi en fait ? Attends, sonne ? Bah c'est un garçon. Bah parce que il est quand même propre, non, il y a des problèmes, mais il est quand même très très propre, et puis il y a des idées cool hein. Truc des chiens, c'est sympa, j'aime bien ces chansons. J'aime moins les labyrinthes et les énigmes tordues. Bah qu'est-ce que je dois faire ?
Oh, encore ça. Ok. Il y a deux musiques qui se superposent, c'est insupportable. Ok. Mais elle est là l'autre ou pas? Oui. Ah oui! Mais moi pas comprendre en fait. Mais quoi faire? This way. Quoi this way? J'ai game over. Encore rien compris moi. Là, j'ai perdu mais je suis pas dans la zone de game over. Maintenant j'y suis. Vous avez compris ce qui s'est passé? Putain, mais la moitié des trucs ils marchent de travers ou en retard dehors, j'ai rien compris. J'ai rien pigé là. Oh la vache, il faut se battre. Je sais bien que j'ai un très gros cerveau, mais là quand même. Bah, c'est prévu que les ombres me rattrapent et me chopent. Mais ce qui est pas prévu. Enfin bref. Mais comment je peux faire pour l'aider là? Oh, si, c'est juste ça, c'est comme tout à l'heure, il faut que j'aille vite quoi. Là, tu peux pas avancer? Ok. Il faut que je la dirige vers le push, ok. Comme tout à l'heure en fait. Vite. Et où? Là, mais je te vois plus là. Ah, là, voilà. Je fais n'importe où, hein. Je sais pas du tout hein. Que je fais. Vous voyez? Allez. Vas-y, go, push, vas-y. Vas-y, sway. Donc c'est bon là. Faut que j'aille où moi? Bah, je vois rien. Bah, j'ai perdu, mais faut que j'aille où? Non, mais c'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'y suis arrivé au pif, mais là, je sais pas ce que je dois faire après. Il y avait un autre miroir qui était apparu, mais là, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est mal fait? Mais j'ai appuyé sur le push, mais je crois pas que ce soit ça. Ouais. Bah, j'ai pressé, mais non, mais je crois pas. Je crois qu'il faut faire comme tout à l'heure et trouver un truc pour que je passe moi aussi dans le monde du miroir mirrorifique. Ça l'a fait vite fait, je crois pas en vrai. Pas ça. Juste se dépêcher de fou quoi. Comprendre comment que ça marche cette saloperie. Mais elle est où là? Mais là, regardez, ça me met 4 fois de suite la même image, je comprends rien. Mais je l'ai dit, je l'ai vu ce message. Hein. Je pense qu'il faut que je la regarde, mais je suis même pas sûr en fait. Là, je suis juste derrière, mais... Si, c'est ça. Bah, je l'avais fait, mais trop tard. Ça l'avait fait, mais non. T'es déjà en mode dead, mais ça avait pas lancé l'anime de mort. C'est bizarre parce que tout à l'heure, justement, c'était pas ça qu'il fallait faire. C'est un peu con. La séquence d'avant, fallait pas retourner au push, fallait passer à travers un miroir magique qui était apparu derrière. Enfin, c'est pas très constant non plus. Ça manque beaucoup de logique quand même. Alors je sais, c'est oulala, les escaliers sont dans tous les sens. C'est pas logique, MDR, ça fait exprès. Ah, pas intuitif en tout cas. Ah, ça y est, j'ai plus le bouquin, c'est la fin du jeu. Enfin. Oh. Les parents. Ah, c'était la tête de ma mère. Ah, ils se sont disputés. Le divorce, MDR. Voilà, original, ça. Oui. Mais quel rapport avec le prof de dessin? J'ai rien compris, en fait. C'est juste ça, en fait. C'est juste le divorce. Mais il y avait pas un truc avec le prof de dessin pédophile? Bah, je me casse. C'est la musique de Casse-toi, ça. Nox. C'est le nom du jeu, ça. Ça veut dire quoi, Nox? Quoi? C'est nul! C'est nul, la fin! C'est ça, la fin? Mais c'est pourri! Mais les gars, ça pue la merde!
Bouleversant, mais de fou. Alors, le jeu est techniquement intéressant, vous avez beaucoup de travail à faire sur le level design, les gars. Bon, c'est un jeu gratuit, c'est impressionnant. C'est quand même très très cool, hein. Après, les petits effets à la Escher, c'est un peu sympa. Non, c'est pas de la merde et c'est con. Mais vraiment, le coup du divorce et tout, ça a été fait quoi, un milliard de fois? Et le truc du prof de, d'art plastique est un peu intéressant, mais au final, ça parle de ça. La philosophie, faut comprendre. Et en fait, juste, bah, le divorce, ça rend triste, elle a un trou dans le cœur, tu vois, ouais, on a compris, mais... Mon père cliché. J'ai compris pourquoi mon pauvre Rodard. Je comprends rien. Je vous, j'ai même pas vraiment compris le truc du prof d'art. Et pourquoi elle est nulle en maths et juste à se mettre tout... Enfin, les parents lui mettent tout sur le dos ou c'est elle? Non, c'est intéressant, mais visuellement, après, dans le scénario, c'est un peu la honte de faire ça. Je crois que c'est devenu un petit peu un cliché, là, qu'il faudrait plus faire dans les Walking Sim, en fait. Pareil, le robot, il aurait pu avoir une scène cool. Ah, ils ont vraiment des psychologues pour faire le jeu. Ah, il en a fallu 3. Hein. Bon, non, un jeu gratuit. Celui-là, même 5€, j'aurais pas râlé. Allez, 10€, j'aurais fait. Ouais, quand même, ils ont fait des trucs. Tu vois, ça m'aurait pas choqué. Par contre, non, c'est vraiment pas clair au niveau de ce que ça veut raconter. Et même, ça a pas l'air très intéressant en plus. Mais le gameplay, il y a beaucoup de réglages à faire, la vache. Oh là là, le level design pas clair. Oui, ça aurait été aussi cliché, ceci dit, ce que je dis avec le robot, hein, mais bon. Combat de méca, ça aurait été cool. Ouais, le truc des shirts, t'aurais pu faire des courses-poursuites vraiment barrées, quoi, plutôt que des espèces de trucs où il faut suivre le méchant qui te tue. Ouais. Il n'y a pas de beau-père, en fait. C'est le père, c'est pas le beau-père. Tu vois, on n'a rien compris. Bon, est-ce qu'on est très bête? C'est possible. Non, c'est vrai que c'est étonnant qu'il soit gratuit, hein, mais... Parce que quand même, ça, d'habitude, c'est payant, genre de niveau de travail. Curieusement, c'est... Par contre, Nox, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire un truc en espagnol? Ça veut dire divorce? El divorcio? Gregory! Way to go, superstar! Ouais, alors, Fox, Nox, nuit. Ah! C'est pas Noche, la nuit, en espagnol? C'est un jeu espagnol, hein. Enfin, pour moi, c'est Noche, mais... Non? Attendez. Ténèbres, ah, obscurité, ombre, ténèbres, ok. Après, je sais pas d'où ça vient. Ah, ça vient du latin. Ah oui, en latin, c'est ok. Inox tag MDR. Ok. Ah, ok, c'est Inox tag, il nous a. Ok, d'accord. Non, elle était quand même bien, mais. Allez, on va se faire du snowboard pour finir. Ah, enfin, attendez, j'en ai encore un petit en pixel art. Pipe. Non, pipes, pas pipe. Oula. Attendez. Ah, c'est en tout petit. Ah, ça bug. Voilà. Je suis dans une salle de bain. Et ça vous capture rien, évidemment. Ah, je peux... au secours. Attendez. Quoi? Attendez, ne bougez pas. Hein. Attendez, on va vous faire ça parce que là, le jeu, il va être impossible à capturer. Ou alors, attendez, peut-être une capture de fenêtre. Non, la fenêtre, il la voit pas non plus. Dox, ouais. Ok, on va faire comme ça. Bougez pas. Ça fait des blocs, mais attendez. On va... Ah, oui, c'est vous. Oui, vous êtes... Ah, vous êtes là. Là, quand vous voyez... Bon, il y a le son du jeu, c'est déjà pas mal. Là, vous voyez mes petits icônes, là, en bas de terre. Vous allez disparaître. Mais non, ça capture même pas. Ça capture même pas, putain, même la capture. Ben, on va pas pouvoir le faire, c'est aussi simple que ça en fait. Je regarde parce que j'ai l'impression que ça marche pas. Hein. Ça devrait quand même. Ah bah, mais ça me ferme le jeu. J'étais en plein écran. Ah non. Ah mais attendez, il y a des settings. Bah voilà. Ah ouais, mais c'est des settings nuls en fait. Ah si, ça y est, vous voyez, c'est bon. C'est bon? Vous entendez le son? Il faut que je recharge le chat. Bougez pas. Ça marche! Incroyable! Bon, mon chat marche pas, par contre. Si, ça y est, je vous vois. Oui. Le son, ça va, c'est pas trop fort. Vous voulez moins fort, vous me dites. Je peux régler ici, là. Des bloops, on peut régler le niveau des bloops.
et des sphinx. Bon, les sphinx, je sais ce que c'est. Bon, bah, on joue. E, inventaire, S. Avancer le texte. Pause. Ok, right mouse look, interact. Ok. Donc, c'est une sorte de point and click horrifique en pixel art de chez Pixel Art. Il y a des Toyo. Ça, c'est des Toyo. Ça, je reconnais. Putain, je pensais vraiment que j'arrivais pas à le capturer, cette saloperie. D'accord. Plusieurs types de Toyo. Ok. Il y a quelque chose dans les pipes. Hein, ça s'appelle pipes. Le problème que le jeu, c'est There is something in the pipes, le nom complet. Ouais. Ça, c'est moi qui répare les tuyaux. MJ. Attendez, j'ai fait un bug. C'est de ma faute, je voulais voir le son. Il y a un bras et qui rentre dans les conduits. Ah non, non, pas ça. Non, mais c'est moi. Je lui pas su. C'est écran noir aussi pour moi, tout va bien. Porte s'ouvre. Ah, ça c'est moi. Ah non, c'est une fille. J'arrive pas à savoir. Non, c'est un mec. J'en sais rien. Ok. Oh, les petites animes sont cool. C'est très minime, mais. Ah, réveil difficile pour notre héros. OMG. Il y a du sang dans la baignoire. Clarissa, donc c'est une fille. Quoi l'enfer? Mais c'est animé. Mais oui, Queen Batter, tout à fait. Qu'est-ce qui va pas avec l'eau? Elle est rouge et toute. Comment dire? Visqueuse. Et ah, ça pue là-dedans. Ça doit pas être du sang quand même. Que j'ai tué quelqu'un. Que j'ai. Non. C'est pas stupide, Clarissa. Tu sais ce que t'as fait la nuit dernière. 6 heures au magasin, plus 2 heures après la fermeture à nettoyer. Et c'est saloperie ce qu'ils ont fait. Hélène Ripley, ouais, un peu, ouais. Et après, au lit. Pas le temps pour faire des meurtres. Je devrais vérifier les enregistrements plus tard au cas où. Peut-être que c'est juste du rouge, pas du vrai sang, c'est pas possible. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est une genre de rouille ou un champignon. Ça m'étonnerait que le conseil... Enfin, que le conseil, ça doit être le syndic de l'immeuble... The main, vérifie. Hein. Plant of dirt. De la poussière très très rouge. Yo, on aurait plus de bruit que d'habitude. Quelqu'un est mort. On aurait pensé, est-ce que c'était quoi, il y a 18h que depuis que je suis là? Quelqu'un aurait pu se faufiler pendant ce temps-là, pendant que j'étais pas chez moi, et mourir dans ma baignoire, dans ma salle de bain. Et qu'est-ce que je dis? J'aurais remarqué si mon appartement avait été déverrouillé, et j'aurais remarqué l'odeur aussi. En plus, il n'y a pas de corps. Et une personne ne peut pas saigner tant que ça. Alors, il y a Screw It. Est-ce que je peux cliquer sur autre chose? Non, pour l'instant, c'est que dialogue. Je peux pas... Bon, bah là, on est à Screw It. Hein. Ok. Rester ici, ça changera rien. Au fait que j'ai besoin d'une douche. Je peux gérer un blocage, enfin un bouchon, mais j'aurais peut-être zappé le petit déjeuner, mais... Ring ring. Hein? Ça peut être à cette heure-ci, là, Mozi. Ah, et là, je vais fouiller. Light switch, bathroom door. Là, je devrais aller travailler. Et playing. Ah bah oui. Concentre. Mais c'est où le ring ring? Mon bras, je suis pas là-dedans. Oh, mais c'est compliqué. Aucune excuse, je dois nettoyer ça. Une fois que j'ai. Mais c'est où le. Je vais faire de moi. Mais c'est quoi qui sonne? Mais c'est où? Il y a un moyen plus futé que de mettre ma main dedans. Quel genre de maladie? Mais c'est quoi qui ring ring là? C'est là-dedans que ça ring ring? Ah oui, putain, il y a un téléphone, je trouvais ça débile! Ah oui, il y a ça, Dragon, je l'ai vu chez Feldoop. Clarissa, vidéo 9, Clarissa ici. Vidéo 9, Clarissa qui vous parle. Madame Dunst, Ingrid, 4h du matin, vous êtes réveillée? Oui, c'est parce que vous avez dit que vous étiez supposé me donner genre. 2 heures d'avertissement si vous pouviez pas venir, n'est-ce pas? Bah oui, c'est vrai, oui. Super. Parce que j'ai une diarrhée de ouf. Je fais caca partout. Donc je peux pas ouvrir le magasin, en fait, désolé. Vous me mentez.
Je vous mens. C'est moi deviner, vous avez oublié d'étudier. Non, vous... Ah, c'est que je suis prof. Ah, ok. Bah non, là, disait le store. Examen est dans 8 heures, c'est pour ça. Ok, va te coucher. Et pourquoi vous n'allez pas vous coucher? J'ai un magasin et une douche à réparer, dit Ingrid. Mais je sais pas, ça parle de magasin, mais... Non, j'ai pas de téléphone, non. C'est... En plus, ça n'avait pas l'air d'être... Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il n'y a pas avec votre douche? Je ne sais pas. La baignoire, le drain de la baignoire est bouché. Il y a ce liquide rouge dedans. Rouge? Genre du sang. Donc, j'imagine que essayer de passer le corps dans les toilettes, ça n'a pas marché. Ingrid, non, je déconne. Ah, vas-y, ça, ça fait peur quand même. C'est agaçant, c'est ça, surtout. Peut-être que c'est un... Non. Un fantôme. Peut-être que c'est... peut dire que c'est la faute à Sadako. Attends, et si on blâmait Sadako après qu'un plombier ait décidé et vraiment éliminé toutes les autres possibilités, hein? Un plombier? Avant le milieu de la journée? Ah bah, bonne chance. Eh, hey, appelez-moi si quelque chose de bizarre arrive, n'est-ce pas? Je suis investi, maintenant. Je fais pas une pause toutes les 5 minutes, en plus ma tête va exploser. J'y penserai. Bonne nuit, Ingrid, clic. Ce serait bien d'avoir quelqu'un de mon âge appelé pour un conseil, mais je suppose qu'Ingrid fera l'affaire. Après tout... Si on n'avait pas prévu de dormir. Mais non, on a un millier de trucs. Factory reject des bougies abîmées. Alors, j'ai des bougies, j'ai du PQ. Alors, tous les objets sont pas prenables. C'est quoi ça? Antifreeze. Ça, je peux pas le prendre. Téléphone. Vitamine. Alors, c'est un peu trop long. Puis, alors, tout en anglais, de la silice, je sais pas quoi, des vitamines. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ouais, un truc Ouija. Ah, oh, c'est un peu trop long là. Le François vient. Vidéo 9. Mais si je fais un truc de location de vidéos, c'est ça? Ça fait déjà 5 ans que je travaille là, mais qu'est-ce que je fous de moi? Oh, c'est que c'est. Alors, c'est désagréable à l'heure. Pourquoi c'est pas une très bonne idée de faire un point and click avec cette résolution là? Ça tue les yeux. Le blanc sur noir avec une aussi petite définition, ça fait très très mal. C'est quand même pas fou. Yoink. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que... On va essayer un truc vite fait. Yes. Quelque chose de squishy. Truc organique peut-être. Ah. Ok. Juste voir ce qui se passe. Allez, c'est un travail pour un plombier ou un prêtre. Celui qui posera pas de questions. Donc t'es bien, bonsoir Maïwen. Ouais, vite fait, mais... Bonne nuit, Mac. Plus tard ce jour-là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'était pas genre pour quitter le jeu, c'était vraiment prévu pour... Ah, je fais mon boulot. Ah, mes cheveux ont l'air dégueulasses. Bah oui, je me suis pas levé. Plombier, excusez-moi, je cherche le propriétaire. Oui. J'ai un appel à propos d'un toyo bloqué. Ah oui, c'est vrai. La salle de bain en haut. Ah mais je dors au magasin. C'est chez moi en fait. Bizarre. C'est par là, ok. Ah bah c'est cool. Ah au moins il est venu là vite. Ça va me coûter une fortune. Oh, shit. Trop de cerveau dans ce baignoire. Ouais, mais là. Ah ça s'arrête comme ça, c'est la bad ending. C'était une chose bad facely profond. Enfin un jeu faussement profond. Pour Max, ah c'était genre un concours. Ah bad ending. Bon, on va se speeder un peu. Maintenant que je sais, on va speeder les textes un petit peu. Ok, on va quand même un petit peu. Il est pas mal, mais vraiment ça me fait mal au crâne. Le bouleverse. Oh, c'est ça la vraie horreur. Bah, je te lave pas les cheveux tous les jours quand même, Limonade. C'est pas bon pour les cheveux. Tous les 3 jours, moi. Là, il faudrait que je le refasse. Je l'ai fait vendredi. L'idéal, ce serait lundi. Peut-être je le ferai demain après-midi. Pour avoir à le faire avant d'aller au boulot. Ouais, je sais pas. Tout qui sont longs, là, putain. Oh là. Et comme c'est long à pousser, j'ai pas envie de les couper. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va fouiller tous les objets.
Bon, après, on n'a qu'une seule pièce, il n'y a pas un milliard de trucs à choper non plus, mais... Même le petit effet genre de nuit est bien fait, vous voyez, il y a moins de détails et c'est juste des petits carrés en vrai. Hein. Tac. Pas mal. Ah mais c'était ses yeux, je croyais qu'elle a les yeux fermés là-bas. L'horreur, c'est d'aller bosser. Je vais quand même tout passer. Bon, ça va assez vite. Et au moins, ça fait pas... Ah oui, le téléphone. Ça passe pas si vite que ça. Ça passe moins vite là. Ça, on pouvait prendre. Le canard. Oh, le petit canard, il vient avec moi. Déodorant. Médicament, on peut pas prendre. Ok. On va vite voir ça. Mais... Il n'y a rien de spécial, je pense, hein, c'est vraiment... C'est des pranks. Dans l'armoire à gauche, là. Hein. Phone. Tous past. Oh, là je peux pas. Hein. Là, la flèche, c'est pour sortir. Là, c'est le téléphone. Je peux rappeler Ingrid. Comme ça, ouais, on fait ça. Alors que là, ça c'est l'ingrid, je veux dire que ton TF1... Qu'est-ce que tu veux? Pour utiliser ton avis, machin. Je pense vraiment... J'ai trouvé un petit canard en plastique, devine ce que j'ai trouvé. Pas le mien, c'est un ami. We have a plum big tip. Je sais pas du tout ce que je fais, j'ai jamais eu de plomberie à faire. Essayer d'enlever le gunk, mais non. Vous voyez ce qu'il bouche? Il y a moyen de le dé... Non, putain. Bon, en gros, c'est des vagues conseils sur le jeu, il faut... Je pense que c'est un fantôme. C'était juste une ref à un film, une quote, une citation. C'est vraiment que c'est un fantôme, ouais, vraiment tu crois? La femme qui repassait les lignes croit au fantôme. C'est dur à mettre des mots dessus, mais c'est fou de penser qu'il n'y aurait rien après la mort. On sait si peu à propos de la vie, et aussi ma baignoire saigne. Alors soit la vie est très bizarre, soit c'est quelque chose d'autre. Ah mais ouais, boss, donc ouais, elle bosse vraiment pour moi, elle est étudiante quoi, en gros, ok. Un shoot go. Dans les douves, mais les douves c'est les châteaux forts. Une bouteille d'acide, alors ça. Serviette un peu humide. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Ils ont appuyé pour pas laisser des traces de doigts. Ok. Alors des chèmes. Ah bah tiens, du débouche évier. Ça a l'air légère, mais ça vaut le coup d'essayer. Combien il en reste? 3. Quel okay, mal de tête. Si je débouche, je me souviendrai plus où je les ai mis. C'était des pansements quoi. Ça, c'est shampoing. Est-ce que ça expire? Un conditionneur, c'est oui. Des mélans, quoi. Ok. Sink. Squeak. Nice and cold. L'eau froide. Squeak. Maintenant, c'est chaud. Ah, il y a de la vapeur. Ok. Est-ce que maintenant... Ah. Je pourrais dessiner quelque chose si je veux. Ah bon? On a les douves, c'est les châteaux, non? Les réservoirs, oui. Ok, alors du coup, il faut sûrement dessiner un symbole... Non! Keep playing, keep playing. Ok, j'ai déjà résolu un problème.
10, voilà. Écoutez, on va essayer de mettre ça. Ah, il en reste pas beaucoup. Ah, on entend que ça fait pshht, draws all this. C'est-à-dire que ça va pas fabriquer du... J'ai pas fabriqué du gaz. Au moins, ça aidera un petit peu à virer ce qui génère. Bah, c'est bon, on y va. Ok. Ah, le blocage, le truc qui bloquait, elle est reparti, mais ça se draine pas. Bah, je retente un peu. Parti avec mon prof de... On fait le de pas. Okay. Arrête! C'est pas ce que je voulais faire, mais elle recommence. Si je mets le coin-coin. Ça serait plus mignon si ça flottait pas dans du sang. Salut canard. Ça doit être cool d'être un petit canard. Est-ce que tu y connais en fantôme? Est-ce que tu parles au canard, Clarissa? Tu me fais voir. Je te ferai parler un de ces jours. Mais je peux parler au canard, non? Arrêtez. C'est le fameux cool ranch. Je comprends pas ce qu'elle dit. Comment va ton propriétaire? Il est millionnaire. C'est un mec qui... Son ex, c'est ça? Je comprends pas la moitié des blagues. Hein. Ah non, c'est ça, ok. Ah, je les ai mis sur... Mais faut faire un rituel satanique. Où sont les allumettes? Je ne sais pas. Pourquoi la vision? Ah, mais c'est parce que c'est à cause de la buée, en fait, que cette vision est bizarre. Ok, j'avais pas fait gaffe. T'as beaucoup de temps, les bages, j'avoue. Hein. Où sont les allumettes? Je ne sais pas, j'en ai pas, là. J'ai pas d'allumettes, moi. Si, non, c'est quoi, ça? Oh! Où est-ce qu'il est perci? On peut avoir le fond avec la lumière éteinte? Ok, attendez. Vraiment, ça change rien à ce qu'il y a dans les placards, mais... Non, la pile de fringues, elle dit juste nique sa mère. Canard? Il y a quelque part là-bas, mon pote? Ok, attends, je vais rallumer, moi. Là-dedans, je le bouge un peu. C'est le canard. Je pensais pas qu'il était si flexible. C'est pas grave. Content de te retrouver. Attends, quelque chose attaché à sa base. Est-ce que c'est de la une boîte d'allumettes? Mais comment ça a pu se retrouver là? Genre là, j'ai une boîte d'allumettes là. Cool range de duck. Ok. Ouais, ça a aucun sens. Pour le coup, c'est vraiment des énigmes de point and click nul là. Hein. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, alors du coup... Toujours pas ce que je dois faire du coup. Ouais, vérifie goupille. Attends, on va éteindre. J'entends quelque chose bouger là-dedans, mais c'est pas facile à voir avec la lumière éteinte. Bah oui, mais... Enfin, ça fait quand même le bruit de l'eau. Pas de symbole sataniste. Bah oui, je sais pas comment faire. Moins que la solution soit là-dessus. Ah, ça, ok, faut faire un cercle. Ah, c'est peut-être ça, faut faire un cercle, un triangle qui pointe vers la gauche. Et trois traits. Peut-être The Haunting. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Je me disais bien aussi, ok, alors. Attends, faut que je remette...
Ok. Un triangle qui pointe vers la gauche. Ok. Une ligne. Alors, trois lignes horizontales. Alors, ils sont pas horizontales, mais on va faire ça. Ouais, c'est pas... Enfin, oui, c'est pas horizontal du tout, en fait. Ah oui, elle a vu que c'était ça. Bref. T'as écrit quoi? Retourne. Return. Return quoi? Return où? T'inquiète, juste voir là-dessus. There is writing, I see, of course. Où est-ce que ça pointe? Ça pointe en bas. Ah, dans les fringues? S'il y a un dans les poches, c'est alors. En dessous, il y a quelque chose à l'arrière du meuble. What? Du coup, quelque chose accroché au tuyau. Parce que c'était là tout le temps. Back of sink. Ah ouais, c'est. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de caillou? Pas de bijoux comme ça. Peut-être au propriétaire d'avant. Miroir. C'est un collier en ambre. Moi, je crois que c'est de l'ambre. Si vous avez dans ma chambre, j'ai jamais nettoyé l'arrière de l'évier. Et si c'était vraiment quelque chose dans la baignoire et qui voulait cette chose. Genre, faut que je lui donne? Attendez, je vais enlever, ça me saoule. Du coup, je lui donne alors. Allez. C'est ça que tu veux, hein? Ce collier? Tu me laisseras tranquille après. Ah, j'hésite. T'es craquant en fait. Bah, après, là, c'est caché derrière. Moi, je lui donne ou pas? En fait, non, tiens, foutre. Attendez. Et si je le mets sur moi? Non, j'ai pas envie de le mettre. Je sais pas. Ah, ok, je peux le laver peut-être. Ah, attends, parce que. Est-ce que si je fais clic droit? Oui, non, oui. Du coup, je peux le laver? Ah, est-ce que ça, je peux le laver? Voilà, il est repropre. Ah, aussi propre qu'il puisse l'être. Ah, oh, c'est sale. Donc, j'ai nettoyé le canard. Et on est d'accord que... Coucou, canard. Non, mais je vais pas te reparler, ça. Est-ce que je peux... Bon, on va donner. C'est sûrement pas la bonne fin, mais... Allez, hop, on va voir. Il va me le recracher. Voilà, prends-le. Maintenant, casse-toi. S'il te plaît. Rien? Pas du tout? Merde, super. Bon, enfin, c'est pas Ingrid qui m'a engrainé à faire ça. Hein. J'ai pas parlé. Bon, bah, j'ai plus qu'à aller travailler. Ah, et c'est la fin. Stupide. Bon bah. Pourquoi je devrais éteindre la lumière? Ah ouais, c'est vraiment genre j'ai fait le bon truc, mais. Les bougies étaient allumées, je crois que j'ai fait les bons trucs quand même. Ok, je peux pas sortir. Ah mon dieu! Bad ending en fait. Ah! Ah ouais. Bon bah, bad ending numéro 2. Je vous laisserai faire le numéro 3. Oui, allô? Pas un truc dans le collier? Bah, il aurait peut-être pas fait le jeu. Bah, je sais pas, vous voulez rien faire de spécial. Bienvenue à la répondeur. Ouvert entre 8h et 11h. Merci de laisser un message. Blablabla. On vous rappellera tout ça. Toc toc toc, ouais, elle est venue voir. Ingrid est live. Amdon, c'est moi. Vous répondiez pas, alors je suis venu voir. J'espère que vous avez un pantalon. MDR. Et là, je vais être morte. Je vais être possédée. Ça pue là-dedans. Les égouts. Qu'est-ce que. Ah, mais on joue Ingrid. Ah, plaisantez pas, c'est vraiment. Ça ressemble vraiment à du sang. C'est une blague? Non. C'était vraiment fait mal. Je devrais appeler la police. Ah, est-ce que je peux. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Quoi?
Mais elle était pas en mode méchant. Est-ce que je peux avoir un peu d'aide, SVP? Mais good ending ou bad ending, là, en fait? On comprend rien. Bah, du coup, je suis coincé dans les tuyaux, mais c'est pas très cool, en fait. Bon, c'était... Non, c'était bien, c'était bien. Il était sympa. Mais le visuel est pas adapté. Ça fait très mal aux yeux. Ça m'a fait mal à mes yeux. Hop, vous disparaissez. Hop, 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 hop. Non, on va pas vous mettre comme ça tout le temps, hein. Ouais, aïe. D'abord, ouh. Je vais fermer les yeux, je vais voir des lettres blanches, hein. Allez, un dernier jeu. Oh, il est déjà minuit. Oh là, qu'est-ce qu'on traîne. On en peut, c'est le week-end. Allez, le jeu de snowboard. Mode PS1. Et ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un jeu de snowboard, la vache. Oh, bonsoir, Bepsi. C'est arrivé pour le snowboard gore. C'est très fort. Blood Borders, mais... attendez, parce que ça ne veut pas capturer. Voilà, on va baisser, et on va baisser chez vous aussi. Oui. Ah bah non, c'est bon. C'est très la musique qui fait... On va baisser un peu, c'est un peu fort. Hop. Un téléphone, petit bébé. Oh, j'ai imité ta voix tout à l'heure. C'est voilà, c'est Road Rash en snowboard avec des machettes, quoi. Ouais, la manette marche. Les bruits de Resident Evil un peu. Yeah, Bloodlust. Wild Impulse. Je peux pas. Krampus, évidemment. Klaus. Abstract. Et ça, c'est Futur Imperfect. Oh, le chat en honneur de Menepsis. Pour son chat, pour Sylvain. C'est bizarre comme idée, hein. Mais après, s'ils l'ont fait en moto, pourquoi pas en snowboard? Waouh. On a mangé un oiseau et il a mangé le cul. Tout à fait. Blood. Ok. Quelle réalisation de fou. Ah ouais, genre on est des tueurs en série en plus. On a des masques et tout. Wouh. Jason. Yay, yeah, vendredi 13. Allons, c'est... plutôt des bons jeux en vrai. Hein. Assez peu de grosses daubes à part une. Yay! Kill them all! Ok, là on saute. Ok. Ok, je peux me pencher en avant. Ah ouais, quand même! Il y a un peu de gameplay, genre legit. Ok, avec rond, je tape à droite. Yay! Et ça me rajoute du temps de les tuer, yes! Ouh, et je fais des figures, regardez. Oh, c'est fun! Oh, je dois pouvoir. Mais c'est pas facile. Il y a un C là. Ah, checkpoint reach. Ah, c'est checkpoint. Je passais du mauvais côté. Non. Petit chat. Ouais, c'est dommage parce que les meurtres, il manque, ça faudrait une grosse giclée de sang dégueulasse là. Que ce soit un peu plus impactant en fait. C'est pas facile à faire. Ah, on n'a pas le temps de le voir, c'est con. Oh. Ouf. Ah tiens. Ah, il se tue tout seul les mecs là. Ah ah. Ouf. Mais là c'est chaud. Hein. Le cadeau. Gift found. Qu'est-ce qu'il y a mené quoi? Je sais pas, t'as dit le t-shirt, j'ai lu le t-shirt. Je veux ça, moi. Ah, j'ai bientôt fini vite le checkpoint. Que ça me remet du temps. Pas du tout. C'est quoi ces jeux qui remettent pas de temps au checkpoint? Mais il est infini, le truc, en fait? Non, mais non. Enfin, on va pas rejouer. C'est que ça? Ça a tout effacé, sauf le emoji. Ah, bah, c'est YouTube. Bon, c'est un peu con, parce qu'il n'y a pas de choix de personnage. Il n'y a qu'une seule arme. Non, c'est un peu dommage. En vrai, il pourrait faire un truc marrant, mais il faut un peu... Ils auraient pu mettre plusieurs persos, puis travailler les bruitages aussi. Parce que là, il a enregistré ça dans sa chambre. Hein. À son bureau. Hein. Ouais, des figures, une petite touche pour les figures. Voilà. C'est peut-être un jeu à scorer, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de mécanique de scoring. Le problème, il est là, c'est que... L'astuce, c'est de mettre le nom au début. Le nom? Quel nom? Qu'est-ce qu'il dit, madame? Ah, dans le chat. Ah, pour pas que ça bug, c'est ça? Ouh.
Ah, Picora de cul. Ah, d'accord. Et ça a bugué parce que t'as mis le pseudo à la fin. Plus c'est moi, j'y triste. Ok. Bah, je sais pas. Ah, mais je me suis fait tuer. Ah, je peux me faire tuer aussi. Ouais, non. Alors, étonnamment, j'avais beaucoup d'espoir dans celui-là. Non, nu à chier. Enfin, beaucoup trop vite. Bon, écoutez, ça aurait été quand même une plutôt bonne soirée. Plein de petits trucs prometteurs mais mal fignolés en fait, mais que des jeux gratuits, donc on ne peut pas leur en vouloir. Ça, c'est ça, tu vois, je dis moins de mal de cela parce que les mecs savent qu'on peut donner de l'argent sur Itch.io, mais tout est accessible gratuitement. Et les jeux Steam qu'on a fait, c'était un peu long, il y en avait quand même. Bizarre, bizarre. Non, mais ça bug, écoute, c'est nul. C'est comme ça, écoute. C'est YouTube, un jour YouTube fonctionnera. Et à ce moment-là, je retournerai sur Twitch. Pour vous embêter. Bien ça. Bon, merci à tous d'être venus, merci à tous d'être restés. On se sera quand même bien marré. On aura trouvé des bons jeux. Tiens, il y a même Vayou. Ah ben non, elle a dû finir. Elle a dû avoir fini. Ah oui, d'accord, oui, j'avais pas vu l'heure. Je la voyais son tweet qu'elle faisait du PC building. Mais là, c'est fini depuis longtemps, à mon avis. Elle est partie faire dodo. Je vais essayer moi-même de faire un dodo. Et demain c'est dimanche, et demain c'est pizza, tiens. Ah, voilà, j'ai envie de dire ce qu'on va manger demain. Moi, ce sera pizza, je vous dis bonne soirée, on va mettre la petite musique. N'oubliez pas de laver vos petits canards en plastique. La petite musique, c'est...